Ouais. Et et. Et et. Et et. Et c'est. Et et. Là, ça, ouais. Merci. Mathieu, ça va toi? T'as Que quand on parle, ça s'éteint. Il y a beaucoup d'absents. Il y a beaucoup de monde qui nous en est très bien. C'est elle.
langage morse à travers la salle aussi. Bien, mes chers collègues, si vous voulez bien regagner vos sièges, nous allons pouvoir commencer notre séance de conseil d'arrondissement, exceptionnellement avancée en raison du couvre-feu, ce qui vous permet de ne pas circuler dehors après 18h30. Et des lits de camp sont prêts dans la mairie pour la fin de la nuit, pour attendre le couvre-feu, la fin du couvre-feu. Les deux secrétaires de séance sont toujours les mêmes. Voilà. Ensuite... Monsieur Amiel et Vespoumi, secrétaire de séance. Assemblée de pouvoir, Anne-Claire Tissandy à Valérie Giovannucci, Anne-Sophie Bordry à Philippe Goujon, Inès de Ragnel à Simon Vermorel, Pierre Menuet à Agnès Évrin, Catherine Iblé à David Amiel. Nous allons devoir, dans un premier temps, adopter la procédure d'urgence, puisque, comme vous le savez, deux vœux ont été reçus mardi, 5 jours francs avant, certes, mais à 23h. Je le signale pour les groupes, d'ailleurs, et j'en profite pour lancer à nouveau cet appel pour ménager les services administratifs de la mairie. Certes, 5 jours francs, c'est à partir de minuit, mais évidemment, les services administratifs ne travaillent pas jusqu'à minuit. Donc, quand on reçoit un vœu à 23h40, faut pas imaginer que le vœu peut être pris en compte aussitôt par les services municipaux. Je dis ça pour les deux groupes socialistes et verts qui nous ont envoyé des vœux très tardivement. Essayez d'envoyer vos vœux avant 18h, au moins qu'on puisse les envoyer avec l'ordre du jour du mardi à 18h. C'est là qu'on essaye d'envoyer l'ordre du jour. Donc, et aussi, alors, pour une autre délibération, alors là, qui c'est le bouquet, si je peux dire, en parlant de la 5G, nous a été adressé le vendredi soir, donc bien au-delà du délai de 5 jours francs, on aura l'occasion d'en reparler, c'est le 2021-DEV22, qui est l'adoption d'une nouvelle charte relative à la téléphonie mobile, la création de l'Observatoire de la téléphonie mobile. J'ai considéré qu'il était opportun de l'inscrire à l'ordre du jour en procédure d'urgence, pour la simple et bonne raison selon laquelle, si on ne l'inscrivait pas, elle se passera quand même en Conseil de Paris, et la seule conséquence sera qu'il n'aura pas été examiné par le Conseil d'arrondissement. Tous les conseils d'arrondissement qui siègent lundi ont mis en œuvre la même procédure, c'est-à-dire qu'ils l'ont tous inscrit à leur ordre du jour, de façon à pouvoir en débattre aussi dans leur Conseil d'arrondissement, et que le débat n'ait pas lieu juste en Conseil de Paris. Voilà. Alors, après vous avoir dit tout ça sur la procédure d'urgence, je mets cette procédure d'urgence à votre vote, à moins qu'il y ait des interventions liminaires. Non, s'il n'y en a pas, je soumets la procédure d'urgence à votre vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Abstention. Unanimité. Merci. Ensuite, le numéro 2 est un projet de délibération traditionnelle, puisque nous sommes en séance en présentiel avec retransmission par Internet et sans présence du public. Donc c'est le même projet de délibération que nous sommes obligés de voter à chaque début de séance pour légitimer, si je peux dire, l'absence du public. Donc je le soumets à votre voix. Qui est pour ? Contre ? Abstention ? Merci.
Le 3, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance du Conseil d'arrondissement du 18 janvier dernier. Y a-t-il des observations ? Oui, Monsieur Sidbon. Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est juste une petite chose, page 29, il est précisé applaudissements des élus de gauche et une petite bizarrerie, alors qu'à aucun autre moment il est précisé qui applaudit ailleurs. Ailleurs, il y a toujours marqué applaudissements tout court. Voilà, donc soit la précision devrait être retirée, soit il faudrait préciser à chaque fois, s'il vous plaît. Bien, bon, bah, écoutez, Madame Guéraud, qu'est-ce que vous en pensez ? On va retirer ? Ok. Alors, on retirera la mention élu de gauche, effectivement. Applaudissements. Parce que je pense que c'est un peu compliqué pour les services de savoir qui applaudit ou pas. Ouais, bon. Ok, merci. Avec cette réserve, je le mets aux voix. Qui est pour ? Contre ? Abstention ? Merci. Le numéro 4 concerne la modification du règlement intérieur du conseil d'arrondissement. Je précise aussitôt, avant de donner la parole au rapporteur Daniel-Georges Courtois, que deux amendements ont été déposés, mais ils sont arrivés là aussi en dehors des délais, et la procédure d'urgence ne permet pas d'inscrire les amendements en procédure d'urgence. C'est la raison pour laquelle nous considérons qu'ils sont déposés sur table, et comme ça faisait l'objet d'un débat préalable que vous avez eu avec tous les groupes, ils seront donc examinés. Donc il y a ces deux amendements sur le droit d'interpellation par le groupe indépendant et progressiste et sur le droit de pétition par le groupe écologiste. Alors, dans un premier temps, je donne, avant la présentation des amendements par leurs auteurs et le débat, je donne la parole au rapporteur Daniel-Georges Courtois, qui nous présente rapidement les modifications à notre règlement intérieur. Oui. Merci, monsieur le maire. Tout d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des groupes qui ont participé aux travaux de la commission du règlement à deux reprises par voie distancielle, et qui a permis des échanges, et je m'en réjouis. Pour l'essentiel, ce nouveau règlement intérieur apporte des mises à jour qui sont essentiellement issues du règlement type que l'hôtel de ville a adressé à l'ensemble des arrondissements afin de les intégrer dans le règlement intérieur. C'est des points qui, en fait, correspondent à des évolutions législatives intervenues depuis le précédent règlement intérieur du 15e arrondissement adopté en 2014. Il précise notamment un certain nombre de choses sur l'élection des adjoints, le respect de la parité, le secrétariat de séance et la police de l'Assemblée. Voilà. On a rajouté un point qui n'existait pas, notamment, qui précise qu'il est interdit de s'alimenter, de vapoter et de téléphoner lors des séances du conseil d'arrondissement. Voilà. Et les téléphones portables doivent être mis en mode silencieux pendant toute la séance. Ça n'existait pas en 2014, mais nous avons saisi l'occasion de ce règlement intérieur pour le rajouter. Je voudrais préciser juste quelques points, puisque l'essentiel de la mise à jour porte en réalité sur les temps de parole lors du conseil d'arrondissement. Nous avons pris le principe d'aligner ce qui se passe au conseil d'arrondissement sur ce qui a été voté dans le récent règlement intérieur du Conseil de Paris pour que les choses soient le plus objectives possible. C'est ainsi que nous avons prévu 3 minutes pour le rappel au règlement, 3 minutes pour les amendements et les contre-projets, 3 minutes pour les vœux rattachés et 2 minutes pour les vœux non rattachés. Nous avons également aligné le temps de parole sur les questions orales. Aujourd'hui, nous aurons 2 minutes pour la personne qui présente la question orale, c'est-à-dire qu'en gros, elle aura le temps de présenter effectivement ce qu'elle souhaite. Oui, 2 minutes. 2 points méritent d'être signalés. L'article 31 concernant la mise à disposition des locaux, pour le coup, nous nous sommes alignés sur le règlement type et sur ce qui se passe dans la plupart des arrondissements. Et en ce qui concerne les moyens de communication, nous avons élargi sur la page Internet, parce que c'est ce qui est le plus facile
à faire, la possibilité que chaque groupe puisse avoir une page réservée sur le site Internet. Par ailleurs, le règlement de l'article 32, lui aussi, a été aligné par rapport à ce qui existe dans le règlement type de l'hôtel de ville et se retrouve pour le coup dans la plupart des règlements intérieurs adoptés par les autres arrondissements. Que dire de plus ? Peut-être un point important aussi, c'est que nous avons ouvert la possibilité, à titre exceptionnel, c'est à la fin de l'article 6, que si la loi et les conditions techniques le permettent, le maire d'arrondissement puisse décider d'une organisation en distanciel du conseil d'arrondissement. Je précise, si la loi le permet, et à titre exceptionnel, ça ne saurait effectivement être un mode habituel de réunion des conseils d'arrondissement. D'ailleurs, je serais très étonné que la loi le permette en dehors de la présence des Covid, mais on a souhaité le rajouter parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à une crise Covid. Qui sait, un autre jour, ça sera un autre type de crise que nous ne pourrons pas plus identifier, et donc nous avons rajouté ce point-là. Voilà rapidement, monsieur le maire, ce que je voulais dire par rapport aux modifications apportées. Merci. Y a-t-il des interventions avant que nous passions aux amendements ? Explication générale sur le règlement intérieur. Bon, alors, ben, on va passer à la présentation des amendements. Monsieur Sidbon. Dire juste un mot pour remercier effectivement Monsieur Courtois et l'ensemble des représentants des groupes, parce qu'on on a fait ce travail tout à fait... manière tout à fait républicaine. Effectivement, les alignements vont dans le bon sens puisque ça s'aligne sur le... voilà, on a fait préciser une chose, je le stipule quand même dans notre conseil, sur la question de la page Internet. On a fait préciser qu'elle pourrait être changée une fois par mois et que ce ne serait pas des PDF de manière à ce que... Voilà. On s'est dit qu'on trouverait les modalités pratiques en dehors du règlement pour que ce soit simple pour tout le monde et que les groupes puissent éventuellement fournir du HTML ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est, je crois, très positif au-delà des deux amendements qui sont proposés et qu'on va discuter. Voilà. Bien, maintenant, nous allons passer peut-être à l'examen des amendements. Le groupe indépendant et progressiste propose un droit d'interpellation. Allez-y. Merci, Monsieur le maire. À mon tour, je voulais remercier les groupes pour ce travail, en particulier Monsieur Courtois, ainsi d'ailleurs que Madame Guéraud, pour le professionnalisme et la courtoisie avec laquelle cette révision du règlement intérieur a pu être travaillée. Donc l'amendement que nous déposons a pour but, vous l'avez dit, Monsieur le maire, d'enrichir nos conseils d'arrondissement en créant un droit d'interpellation. De quoi s'agit-il ? Tout simplement de permettre aux habitants, avant chaque réunion de notre conseil, d'envoyer des questions regardant leur vie quotidienne dont ils souhaiteraient que nous débattions dans cette enceinte. Pour être examinées, ces questions devraient être au préalable parrainées par l'un des groupes politiques afin de s'assurer de leur pertinence et pour s'assurer que l'on puisse correctement répondre aux questions lors de chaque conseil d'arrondissement, un groupe politique ne pourrait soutenir qu'une question par séance. Ce qui signifie donc que chacune de nos réunions, nous examinerions au plus 4 questions posées par les habitants. Alors quel est le but ? D'abord, d'intéresser à nos discussions des habitants, des citoyens, qui peuvent se sentir éloignés de la vie politique, qui ne participent pas nécessairement au conseil de quartier, et qui verraient ainsi, de la manière la plus matérielle qui soit, que leur voix peut être directement entendue par l'ensemble des élus, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. Ensuite, de pouvoir aborder des thèmes différents de ceux qui sont évoqués spontanément dans notre enceinte, en ayant ainsi une part de l'ordre du jour laissée libre, et gageons que l'on verrait ainsi surgir des sujets qui ne sont pas nécessairement ceux que nous abordons spontanément via les délibérations ou via les vœux. Alors ce dispositif serait une expérimentation, c'est vrai, car il n'existe pas dans d'autres arrondissements. Je sais que ça a soulevé quelques appréhensions dans nos discussions préliminaires. Nous pourrons bien sûr l'adapter au fil du temps, mais on nous accordera, je crois, que la prise de risque est limitée, puisqu'il ne s'agit, somme toute, que de consacrer une trentaine de minutes lors de nos conseils pour répondre à des questions qui seraient posées directement en amont par les habitants. C'est pourquoi je vous invite à voter cet amendement. Merci. Il y a un deuxième amendement concernant
le droit de pétition par le groupe écologiste. Qui le présente ? Je vous remercie, Monsieur le maire. Je me joins au remerciement également de mes collègues auprès de tous les groupes politiques, de Mme Guéraud et de M. Courtois, sur lesquels qui nous ont effectivement permis d'avancer, notamment sur le droit d'expression de tous les groupes politiques. L'amendement que nous présentons est un droit de pétition. C'est un droit de pétition qui existe déjà dans d'autres arrondissements, dans le 9e, le 10e, le 12e, le 18e et le 20e, et permet donc, via une pétition réunissant... Alors on prévoit 3000 habitants, ce qui est beaucoup, mais en tout cas, ça a le mérite de témoigner du sérieux de la revendication locale ou de l'intérêt de la question. Permettrait donc à une pétition réunissant 3000 pétitionnaires de poser une question d'ordre général au conseil d'arrondissement. Une pétition donc, qui aurait un formalisme s'assurant que les pétitionnaires soient vivent ou soient travaillent sur l'arrondissement. Le maire pourrait en donner lecture de cette question ou inviter les pétitionnaires à répondre à cette question. Et puis, une réponse y serait apportée, une réponse qui pourrait être écrite et préciser les suites données à la fameuse question. Donc, pour nous, ce droit de pétition permet de redonner plus de vie et de corps à la démocratie locale. Et j'ai cru comprendre lors des débats du dernier conseil d'arrondissement que tout le monde y était attaché ici. Et c'est la raison pour laquelle nous vous soumettons ce droit de pétition. Merci. Y a-t-il des interventions ? Monsieur Luineau. Oui, monsieur le maire, chers collègues, donc j'aimerais revenir sur les propositions d'amendements proposées et expliquer pourquoi elles ne nous semblent pas recevables. D'abord, sur le plan de la démarche, ces amendements font en fait doublon avec ce que nous proposons déjà dans le 15e par le biais des conseils de quartier. En effet, nos conseils de quartier peuvent déjà transmettre au conseil d'arrondissement des questions. C'est inscrit dans notre charte des conseils de quartier. Et d'ailleurs, l'amendement qui est proposé par nos collègues du groupe indépendant et progressiste sans doute s'inspire de ce qui a été fait dans le 9e arrondissement, ça a été évoqué. Mais j'aimerais préciser d'ailleurs que c'est bien dans ce 9e arrondissement, contrairement au 15e, eh bien, il n'y a pas dans la charte des conseils de quartier du 9e la possibilité de poser ainsi des questions au conseil d'arrondissement. Donc si dans le 9e, une interpellation par les habitants est pertinente, elle fait en fait dans le conseil du 15e arrondissement doublon. Le risque, en fait, c'est donc tout simplement de dévitaliser nos conseils de quartier au profit d'un autre dispositif, alors qu'on vient même de les mettre en place. Ensuite, et plus précisément sur l'amendement qui est déposé par nos collègues du groupe écologiste, il me semble en réalité difficilement recevable dans sa rédaction actuelle, principalement parce que sur la question du droit de pétition, en fait, nous sommes face à une situation de conflit de jurisprudence. D'abord, parce que dans sa rédaction actuelle, sur le sujet de qui pourrait intervenir et être signataire d'une telle pétition locale, l'amendement propose, je cite, « les habitants majeurs puissent signer cette pétition », alors qu'en réalité, l'article 72 de la Constitution et la jurisprudence administrative concernant les pétitions locales encadre la participation aux seuls électeurs d'une collectivité. Cela ne saurait donc concerner l'ensemble des habitants, comme c'est ici proposé. Et c'est notamment pour ça que dans la ville de Grenoble, le tribunal administratif avait annulé le dispositif de pétition locale 2 ans après sa mise en place. Par ailleurs, pour respecter la loi, des modalités supplémentaires auraient dû être précisées, et notamment le fait qu'un habitant n'a le droit de signer une pétition qu'une seule fois par an, mais aussi qu'une pétition doit être signée en réalité par 1/5 des électeurs inscrits sur les listes électorales d'une collectivité. Je vous renvoie pour ça au Code général des collectivités territoriales. Et enfin, comme je le mentionnais, il ressort de la doctrine sur cette question des pétitions locales, mais aussi d'un rapport du Sénat de 2017, que si certains dispositifs de pétition locale existent sans satisfaire les conditions que je viens d'évoquer, c'est soit parce qu'elles n'ont pas été ou elles n'ont pas fait l'objet d'un contentieux devant le juge administratif, soit parce qu'il existe un conflit de jurisprudence. Donc au total, vous voyez bien qu'un tel amendement nous ferait courir dans le 15e soit une situation d'instabilité ou au pire, d'illégalité. Dernier point, quand bien même une telle solution puisse être retenue, c'est aussi un dispositif qui n'a pas fait ses preuves là où il a été réellement testé. C'est notamment le cas dans 2 villes écologistes emblématiques, je prends le cas de Grenoble, où avant d'être annulé par le tribunal administratif,
Le dispositif n'avait entraîné le dépôt que de 3 pétitions en 2 ans. Et c'est aussi le cas plus proche de nous à Arcueil, où en 20 ans d'existence, seules 30 pétitions ont été déposées, soit une pétition et demie par an. C'est sans doute d'ailleurs le même manque de succès qui a poussé la ville de Paris à supprimer sa plateforme pétition.paris.fr après qu'il n'y en a eu aucune déposée à partir de 2015. Je vous remercie. Merci pour ces précisions jurisprudentielles. D'autres intervenants ? Monsieur Sidbon. Oui, écoutez, alors ces deux amendements n'émanent pas de mon groupe, mais je les trouve positifs. Je vais vous dire avec les quelques détails que moi j'y aurais apporté. Je trouve votre réponse, monsieur Luineau, un peu étonnante, un peu de la chicanerie, parce que ce qui compte, c'est quand même qu'on essaye d'ouvrir les conseils d'arrondissement à la population. Et je trouve que là, les deux idées qui sont mises sur la table par les deux groupes sont intéressantes et sont vraiment à regarder. Vous nous opposez les conseils de quartier. Je ne pensais pas en parler à cette occasion, mais les conseils de quartier, j'ai eu l'occasion déjà de le dire dans ce conseil, à mes yeux, en tout cas à nos yeux, ne sont pas représentatifs réellement de la population du 15e parce qu'il y a trop peu d'habitants dedans, parce qu'il y a des personnalités qualifiées nommées par le maire et parce qu'il y a des élus qui font partie intégrante et qui votent les décisions dans ces conseils de quartier. C'est pour cette raison que, pour moi, les conseils de quartier ne peuvent pas porter la même possibilité démocratique que les deux vœux qui sont proposés. Par ailleurs, il n'est stipulé nulle part dans notre règlement intérieur que les conseils de quartier peuvent saisir directement notre conseil. Il faut pour cela que les vœux soient portés de toute façon par des élus. Bref, en tout cas, pour moi, les conseils de quartier, c'est complètement autre chose. On aurait pu, et vous auriez pu le proposer, proposer que les conseils de quartier puissent saisir le conseil d'arrondissement. Je m'y serais opposé pour les raisons que je viens de dire. Voilà. Mais je reviens aux deux amendements qui sont proposés, qui me semblent intéressants, en disant que notre groupe y est favorable. Sur la question du droit de pétition, et puis alors vous dites pourquoi une fois par mois, ça je ne sais pas du tout, pourquoi une fois par an, ça, pourquoi une fois par an, pas deux fois, pas trois fois, pas 15 fois. Et à la limite, s'il n'y a eu que 30 pétitions, je crois, à Arcueil, c'est ça que vous dites, ben, c'est 30 pétitions, c'est formidable. C'est déjà 30 questions qui sont posées par les citoyens et qui sont remontées. Et qui peut-être n'aurait pas été débattu par les élus. Donc, dans ces cas-là, c'est pas la question. Il ne s'agit pas qu'il y en ait forcément un à chaque fois. Mais quand il y a des questions dont les habitants n'ont pas l'impression qu'elles sont traitées par les élus, parce que parfois on est dans nos couloirs, il faut le reconnaître. Eh bien, je trouve ça intéressant. Donc, la question du seuil pourrait avoir été interrogée. Je crois que c'est le même seuil qui a été pris par le groupe dans le 20e, que le seuil dans le 20e. Peut-être c'est un seuil un peu élevé et nous aurions éventuellement proposé d'abaisser un peu ce seuil. Et puis par ailleurs, mais c'est un point de détail, nous aurions aimé qu'il soit stipulé dans l'amendement que chaque groupe puisse répondre, puisque là, c'est peut-être une erreur de formulation, il est dit que seul le maire du 15e pouvait répondre à la question posée par la pétition. Je crois qu'il faut que ça, dans ces cas-là, que ça puisse ouvrir un débat. Sur l'autre amendement, nous sommes favorables également, à condition de stipuler que cela se limite aux compétences de l'arrondissement. Je pense que c'était votre esprit, M. Amiel, mais ça n'a pas été mis dans l'amendement. J'aurais aimé que ce soit rajouté. Et puis que, dans ces cas-là, si ça avait été mis en œuvre, je trouve ça une bonne initiative également à observer. Il faut tenter les choses. Peut-être ça marcherait, peut-être ça marcherait pas, peut-être ça marcherait de manière formidable. Il faudrait prévoir pour que ça puisse marcher, à la fois que le site de la mairie puisse recenser chaque mois les questions envoyées, que ce site permette de visualiser les questions sélectionnées par les groupes et d'afficher enfin les réponses apportées. Mais ça n'est que des prolongations de vos deux idées auxquelles nous souscrivons en tant que groupe Paris en commun et Lutte Gauche du 15e. Bien, merci. Monsieur Canal. Merci, Monsieur le Maire. Mes chers collègues, c'est plutôt en réponse à mon collègue Sidbon sur ses remarques, sans faire le débat, évidemment, sur les conseils de quartier. Mais je ne vois pas, donc, deux remarques. La première, c'est que je ne vois pas en quoi une pétition est plus représentative qu'un conseil de quartier avec plusieurs corps, plusieurs collèges à l'intérieur de celui-ci.
Si vous multipliez les pétitions avec 300 pétitionnaires, ben je peux vous en organiser des pétitions à tout va. Moi, je pense que le conseil de quartier est un bon filtre. Justement, c'est un média. Moi, je crois beaucoup aux corps intermédiaires. Le conseil de quartier y figure. Et la deuxième remarque, et j'y viens tout de suite, c'est qu'à force de multiplier les modalités de démocratie participative, on finit par les dévitaliser. Le conseil de quartier qu'on vient d'ailleurs de réinstaller. D'ailleurs, je me fais fort de quand même de signaler dans cette assemblée que nous sommes quasiment les premiers à l'avoir réinstallé. Et maintenant, on en est assez fiers. On atteste nos différents débats au Conseil de Paris, singulièrement le dernier. Mais il n'en demeure pas moins que le Conseil de quartier, maintenant, il a une existence de près de 20 ans. Ça lui donne de la consistance si maintenant ça passe par ses fourches codines. Et à la différence de M. Cidebon, et encore une fois, sans refaire le débat, pour nous, le système de conseil de quartier à 4 collèges, à une dimension territoriale modérée, c'est-à-dire 20 000 habitants, est le meilleur média pour pouvoir structurer des questions des habitants et les restituer. Et d'ailleurs, vous citiez le 20e arrondissement, mais moi je peux vous citer le 18e arrondissement, qui pratique exactement le même dispositif que nous avons, nous, dans le 15e arrondissement. Donc, au lieu de multiplier les cahiers d'acteurs ou je ne sais quelle autre modalité qui finalement mettent le flou dans l'esprit de nos concitoyens, nous, nous sommes pour le respect des corps intermédiaires parmi lesquels le conseil de quartier doit retrouver pleinement sa place. D'ailleurs, si on avait suivi les conseils de M. Cidebon, on n'aurait pas encore réuni nos conseils de quartier, peut-être à l'heure qu'il est. Mais voilà, le mieux est l'ennemi du bien. Alors, est-ce qu'il y a... Si, oui, Madame Ferrat et M. Amiel. Excusez-moi, chers collègues, je voulais vous juste poser une question. Alors, si je vous suis bien, je ne comprends plus le sens du SICA. Parce qu'il me semblait que le SICA, il servait justement à rapporter les doléances des habitants par le biais des associations. Et en conseil d'arrondissement, nous avons bien une possibilité du SICA de poser des questions directement au conseil d'arrondissement. Donc j'avoue que je ne veux pas mettre la zizanie, mais j'avoue que je ne comprends pas là. Si on peut m'expliquer, ça serait sympathique. Je vous remercie. Monsieur Amiel. Merci, monsieur le maire. En réponse à ce qui a été dit par monsieur Luneau et aussi à l'amendement déposé par le groupe écologiste, dire aussi que nous soutenons pour notre part la proposition du droit de pétition. Alors j'entends les remarques qui ont été faites sur les précisions juridiques à y apporter, mais ne nous cachons pas derrière ça. Ce n'est absolument pas la raison de votre rejet. Nous en avons parlé lors de la commission du règlement intérieur, et s'il fallait apporter telle ou telle précision, je ne doute pas que les élus écologistes l'auraient fait. En réalité, il me semble aberrant qu'une pétition qui rassemblerait dans notre arrondissement des milliers de signatures ne soit de toute manière pas examinée dans ce conseil. J'imagine d'ailleurs que si un sujet suscitait une telle mobilisation, il parviendrait jusqu'au mur de cette enceinte. Et donc j'ai bien du mal à comprendre ce que l'on craint dans cet amendement proposé par les élus écologistes. Quant à ce qui a été dit par M. Luneau sur notre propre amendement regardant les conseils de quartier, je crois qu'on inscrit là une concurrence un peu artificielle entre un droit de pétition proposé aux citoyens et les conseils de quartier. D'abord parce que l'objectif est différent. Les conseils de quartier ont vocation à permettre un travail de long cours en hyper-proximité et en revanche n'ont pas vocation à multiplier les saisines directes des élus au sein du conseil d'arrondissement. Il suffit d'ailleurs d'observer l'ordre du jour de nos assemblées depuis qu'elle s'est rassemblée pour la première fois dans cette mandature au mois de juillet. Ce n'est pas cela qui occupe nos séances. Et puis par ailleurs, ça a été également dit par M. Cidebon, on sait très bien que ça s'adresse à des populations différentes. Il y a des gens qui ne s'impliquent pas dans les conseils de quartier pour des raisons qui peuvent être extrêmement variées et qui, pour autant, peuvent vouloir que sur un sujet précis qui leur tient à cœur, qui n'est pas forcément à l'agenda du conseil de quartier, qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de fréquenter, nous puissions y répondre. Je crois qu'en matière de démocratie participative, et d'ailleurs de démocratie en manière générale, nous tâtonnons. Et donc on sait bien qu'il n'y a pas un dispositif miracle qui fonctionne, ça se saurait. Et donc je crois que ces diverses initiatives se compléteraient bien plus qu'elles ne se feraient concurrence. Merci. Oui, Madame Nakate. Oui, juste pour répondre à mon collègue sur les aspects juridiques du droit de pétition. À vérifier, mais je crois que vous confondez le référendum local
et le droit de pétition que nous proposons. Je crois qu'il y a une petite confusion sur l'aspect juridique. Et puis rappeler que malheureusement, mon groupe n'a pas été associé au travail dans les conseils de quartier. Donc nous ne siégeons dans aucun conseil de quartier. Et nous serions heureux d'examiner les revendications citoyennes dans l'enceinte de cet arrondissement. Il me semble que le seuil soit suffisamment élevé pour intéresser tout l'arrondissement au-delà des questions qui intéressent que certains quartiers plutôt que d'autres. Je vous remercie. Je vous réponds juste pour préciser qu'il n'y a pas de confusion entre référendum local et pétition, droit de pétition locale. Il y a bien toute une jurisprudence. Il y a aussi un rapport sénatorial de 2017 qui en parle très clairement et qui met en avant tous les problèmes liés à ce dispositif et aux conflits de jurisprudence. D'autres interventions ? Bien, merci. La parole est au rapporteur, M. Courtois. Merci, M. le maire. Que dire par rapport Pour donner la position sur les amendements et répondre aux orateurs, merci. D'abord, je voudrais rappeler que nous sommes, en tout cas au sein de la majorité, très attachés aux relations avec les citoyens. Je ne doute pas que ce soit aussi le cas, bien sûr, des autres groupes, mais je voudrais quand même noter que, aussi bien les adjoints que Philippe Goujon et Agnès Evren participent à des multiples réunions au contact de la population. Nous n'avons pas attendu soit le droit d'interpellation, soit le droit de pétition pour être au contact avec les citoyens qui nous interpellent quotidiennement sur toute une série de sujets extrêmement importants de l'arrondissement. Et je peux dire qu'il n'y a pas un sujet, à ma connaissance, qui ne remonte pas à la mairie du 15e par différents biais. Encore une fois, je l'ai dit, les élus, mais aussi les conseillers d'arrondissement, les conseillers de quartier, les SICA, qui font un rôle très important. Alors, nous ne sommes évidemment pas contre le fait d'associer les citoyens aux décisions qui sont prises par la mairie d'arrondissement, c'est une évidence, mais nous considérons qu'effectivement, le fait pour un élu de faire correctement son travail, c'est d'aller au contact de la population, d'être à l'écoute, d'organiser des réunions, de répondre, ce que nous essayons de faire du mieux possible. Alors certes, il y a des expérimentations en cours dans le 10, le 18, le 12 et le 9. Je ne les méconnais pas. Je constate simplement qu'aucune de ces procédures n'existe, ne serait-ce qu'au niveau du Conseil de Paris, à ma connaissance. Conseil de Paris qui, pourtant, est quelque part l'instance décisionnelle au niveau parisien. Quelque part, le conseil d'arrondissement a beaucoup un rôle consultatif, mais ce n'est pas réduire son importance que de dire ça. Mais est-ce que le fait de rajouter une strate de plus au conseil de quartier, au SICA, finalement à tous les débats que nous avons ouverts à la population à travers les budgets participatifs, je rappelle que le 15e arrondissement a toujours été pilote en la matière, et notamment a augmenté significativement, et a été le premier à le faire, la part des crédits qu'il accordait au budget participatif, en plus de ce que donnait la ville de Paris. Alors, en définitive, moi je pense qu'il faudrait faire une réflexion, regarder la façon dont les expérimentations sont conduites dans ces quatre arrondissements, peut-être entamer au niveau du Conseil de Paris aussi une réflexion sur ces sujets, parce que pourquoi le Conseil de Paris, finalement, ne pourrait pas s'ouvrir soit à un droit d'interpellation, soit à un droit de pétition, et pourquoi aujourd'hui ça n'existe pas. Voilà, pour toutes ces raisons, je considère qu'il est prématuré d'introduire ce type de possibilités sans méconnaître les intérêts qu'ils peuvent avoir. Voilà, monsieur le maire. Merci. Et du coup, vous suggérez à monsieur Sidbon de faire ses propositions au Conseil de Paris également, sur du parallélisme des formes. Donc, je vais soumettre d'abord ces amendements aux voix. D'abord, l'amendement du groupe indépendant et progressiste sur le droit d'interpellation avec un avis défavorable de l'exécutif, qui est pour. Contre, abstention, rejeté, merci. Et vote sur l'amendement du groupe écologiste sur le droit de pétition, qui est pour, contre,
Abstentions, ils sont rejetés. Je vous remercie. Maintenant, nous allons passer au vote sur la délibération concernant le règlement intérieur que je soumets à votre vote. Qui est pour le règlement intérieur? Merci. Qui est contre? Abstention. Adoption à l'unanimité, je vous remercie. Projet de délibération numéro 5 DU 22, qui est d'ici désignation du lauréat, autorisation de signer les actes régulation sur le foncier SNCF. Madame Clermont-Tonnerre. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, si certains de nos concitoyens s'interrogent sur le rôle de la métropole, cette délibération est une traduction concrète des abords de la MGP pour les Parisiens. Nous sommes en effet amenés à délibérer ce soir sur un projet qui va totalement transformer un axe majeur d'entrée dans Paris et dans notre arrondissement. Il s'agit de l'entrée Seine du 15e. Ce site a été sélectionné dans le cadre du deuxième appel à projet Inventons la métropole du Grand Paris, qui a porté sur 27 emprises foncières, dont deux situées sur le territoire parisien. Cette démarche aurait été un accélérateur de projet, dans la mesure où la mise en lumière des différents sites a mobilisé investisseurs, opérateurs et architectes et créé une dynamique de reconquête et de transformation de lieux atypiques qui s'apparentaient, pour certains, à des friches urbaines. C'est le cas du Quai d'Issy sur lequel porte cette délibération. Qui aurait pu imaginer que ce lieu coincé entre le périphérique, les centrales à béton et la ligne C du RER susciterait un jour l'intérêt de 21 candidats? Lors du premier tour du jury, notre choix s'était porté sur un projet concurrent, doté d'une façade plus animée, et vous avez, monsieur le maire, demandé à l'équipe lauréate d'affiner son offre en y apportant plusieurs évolutions, tant sur le plan architectural que programmatique, et de développer le volet relatif à l'innovation environnementale. Dans ce contexte, et lors d'une rencontre que nous avons eue en février 2020 en présence de l'architecte japonais Kengo Kuma, les équipes de Bouygues ont pris plusieurs engagements sur le contenu de leur projet nommé EDA, EDA étant la compression d'expériences d'avant-garde. À cette occasion, nous avons également exprimé le souhait qu'une structure sportive soit installée et demandé que le bâtiment à ses abords soit végétalisé, notamment la toiture où des essences susceptibles de capter le CO2 devraient être plantées. Ce projet que nous accompagnons présente de nombreux atouts. Il nous donne l'opportunité de dessiner une véritable entrée de ville. Cet immeuble Green Office représentera un marqueur fort à l'entrée du 15e. Ce bâtiment devrait intégrer plusieurs réalisations innovantes, notamment dans le domaine environnemental. Notre arrondissement comptera une nouvelle signature architecturale. Après l'agence londonienne Rogers, qui repense le secteur Montparnasse, l'agence new-yorkaise DSR pour l'ancien siège de la CNP, c'est le japonais Kengo Kuma qui signera le bâtiment EDA sur lequel porte cette délibération. Enfin, le terrain propriété de la ville et de la SNCF sera vendu à Bouygues pour un montant de 81 800 000 euros, dont 57 millions reviendront à la ville. S'il est clair que le projet EDA redonnera des qualités urbaines à cette entrée de Paris, en revanche, je m'interroge sur les garanties dont nous pourrons bénéficier afin d'éviter qu'une fois les actes signés, le bâtiment ne soit pas transformé en un simple programme de bureaux au bénéfice de la seule rentabilité et au détriment du caractère innovant du projet. Je vous remercie. Merci. Des interventions? Oui, M. Braget, allez-y, vous avez la parole. Oui, bonsoir, chers collègues. Donc, ce sera une explication de vote sur cette délibération. Excusez-moi, c'est pas très pratique pour lire. C'est une intervention. Oui, tout à fait. Ce n'est pas une explication de vote, c'est une intervention sur la délibération. Sur la délibération, voilà. Pour notre part, déjà, on constate l'absence de plan sur ce projet. Donc, on nous demande de signer un chèque en blanc sans avoir les plans qui auraient dû être normalement annexés. Et surtout, on s'interroge beaucoup sur ce projet-là. L'objectif est très clair, hein, c'est une opération foncière, la ville récupère 57 millions, en échange on fait des bureaux, encore des bureaux, toujours des bureaux, ce qui ne nous convient pas, ce n'est pas prévu, il n'y a aucun principe de réversibilité en termes de logement pour plus tard sur ce projet. Deuxièmement, nous prenons la mixité des usages, nous sommes dans un endroit déjà très concentré en termes de bureaux,
Et donc, ça aurait pu être sur un espace tel que celui-là, qui est quand même avec un gros potentiel d'avenir, la possibilité de faire une entrée de ville, non pas de bureaux, mais d'espace naturel. Et donc, nous, nous opposerons à cette délibération. Excusez-moi. Merci. D'autres interventions ? Monsieur Sidbon, excusez-moi, parce que dans l'obscurité, dans la brume, tout au fond, on a fait agiter votre loupiote, ce sera plus facile pour moi de voir, mais excusez-moi. Non, je vous en prie, monsieur le maire. Je suis un peu étonné de la position de votre position, monsieur Bragé. Il est bien dit dans l'exposé des motifs qu'on ne peut pas faire de logement à cet endroit-là, et pour une raison simple. D'ailleurs, vous avez même défendu ce principe d'une certaine manière, de manière même plus extrême, lors d'une délibération précédente sur le projet Brancion. La programmation sur ce site était libre, à l'exception de toute programmation de logement, en raison de la proximité du boulevard périphérique, de la ligne de RER en bordure du terrain, de la présence d'installations SNCF et des ouvrages d'assainissement. Bon, voilà, sur ce point... pour les mêmes raisons, un espace vert coincé entre le RER et le boulevard périphérique, en tout cas au stade où, sans avancer sur ce boulevard périphérique qu'on va essayer de repenser collectivement, me semblerait pas judicieux. Le projet, alors certes, est un projet de bureau, mais il nous faut aussi des bureaux à Paris pour pouvoir éventuellement en libérer dans de l'Haussmannien, dans le centre de Paris, pour pouvoir en transformer ailleurs en logement. Donc ça ne me choque pas. Par ailleurs, le projet, c'est plutôt ça que je voulais souligner de positif, comporte donc, et c'était déjà dans l'appel à projet, même si vous l'avez fait évoluer apparemment vertueusement avec le dialogue de la mairie du 15e, mais il y a donc un espace de... Il y a 1820 mètres carrés de coworking et co-making. Le projet est effectivement un projet bas carbone. Et chose à souligner également, sans rentrer dans plus de détails, il est assez beau, ce bâtiment. Je crois qu'il va être assez beau, en tout cas ce qu'on en voit pour l'instant. On va voir quand il sera réalisé. Et comme la phase de préfiguration n'a pas pu avoir lieu, il y avait 500 000 euros qui étaient dévolus à cette phase de préfiguration prévue par le promoteur et qui, du coup, vont servir à l'amélioration de l'environnement immédiat du projet EDA, ainsi qu'au soutien à des opérations menées par des associations du quartier à proximité. Ça pourrait être notamment la plantation d'arbres sur le quai d'Issy, la requalification de l'espace public incluant une piste cyclable. Et tout ça, je trouve ça extrêmement positif. Et il y a un comité de suivi également qui va suivre la promesse de vente. Donc je ne vois pas, en tout cas, évidemment, de raison de voter contre ce projet, mais au contraire, de voter pour et de le suivre avec attention. Merci, Madame Parizet. Monsieur le maire, merci de m'accorder la parole sur ce dossier que je trouve particulièrement intéressant en tant qu'adjointe en charge du quartier Citroën-Boussicault. C'est un projet qui est, au contraire des réserves qui ont été évoquées, tout à fait intégré dans le quartier, dans son ensemble. Il présente quand même beaucoup d'opportunités pour faire le lien entre le quartier d'Issy, les Moulineaux, qui est très, très orienté vers les bureaux, et vers cette zone du 15e arrondissement. Aujourd'hui, quand personne n'aurait l'idée d'aller se promener dans cette zone, tout simplement parce qu'il n'y a pas de vie. On est sur une friche et on a tout à fait besoin, au contraire, d'y apporter des raisons d'aller se promener. Et ces bureaux, les activités qui seront aussi développées dans ce bâtiment sont particulièrement intéressantes à cet égard. De plus, sur la dimension environnementale, c'est quand même un bâtiment qui présente des caractéristiques assez particulières. Hormis les fondations qui, pour répondre aux contraintes physiques du fleuve et de la voie de RER, seront constituées en béton, le bâtiment de bureau fera quand même la part belle au bois, avec 70% de bois dans sa superstructure et une grande végétalisation des façades. À l'heure actuelle où nous connaissons de plus en plus d'épisodes de canicules pendant les étés qui rendent les habitations et les bureaux invivables, ce bâtiment, au contraire, participerait à rendre le quartier plus vivable avec une végétalisation intelligente
et des utilités directes pour l'ensemble des citoyens. Et ce serait avec plaisir que je proposerais le moment venu de le présenter en conseil de quartier, afin que les habitants puissent également présenter des idées, des commentaires sur cette ambition qui est quand même très structurante. Je vous remercie. Merci. Je demande une suspension de séance de 5 minutes. Merci. Suspension technique.
Bien, mes chers collègues, merci de m'avoir accompagné dans cette pause technique. Nous allons pouvoir reprendre le cours normal de nos débats. Désolé de cette interruption. Et donc, j'allais passer la parole au rapporteur, Daniel-Georges Courtois. Merci, monsieur le maire. Donc, très rapidement, pour aller en complément de ce qu'ont excellemment dit Claire de Clermont-Tonnerre et Marion Parizet sur ce projet, je voulais juste rappeler un petit peu ce qu'est Inventons la métropole. En réalité, il y a eu 77 projets lauréats à l'occasion d'Inventons la métropole 1 et 2 et 10 milliards d'investissements financés exclusivement ou quasi exclusivement en plus de 99 sur fonds propres qui permettent à des projets d'innovation et avec une connotation durable de voir le jour. Cette deuxième édition à laquelle nous participons, c'est finalement la deuxième fois que nous obtenons, dans le cadre d'Inventons la métropole du Grand Paris, un projet. Je rappelle que pour Inventons la métropole 1, nous avions obtenu le projet de Brancion, qui est en cours de finalisation, la porte Brancion. Et le deuxième qui arrive, c'est ici, les Moulineaux. Nous avons été retenus parmi 23 projets, et je m'en félicite. Parce que il faut quand même constater que le site sur lequel ce projet va avoir lieu est pour le moins dégradé. Je m'y suis personnellement rendu
pour regarder à quoi ça ressemblait. C'était un espèce de débarras avec des caisses par-ci, des caisses par-là. Bref, je pense que si ce projet n'avait pas été inclus dans le cadre d'Inventons la Métropole 2 ou 1, nous n'aurions jamais pu en faire quoi que ce soit. Et c'est quelque chose de très important. Je me réjouis que dans le cadre des dialogues, le projet ait été, qui était déjà bon depuis le début, ait été amélioré. Et en tout état de cause, je vous invite bien évidemment à voter en faveur de ce projet. Merci, monsieur le rapporteur. On profite pour vous remercier de votre action en tant que vice-président de la métropole à l'époque pour favoriser ce projet, puisque nous sommes la seule collectivité, grâce à vous notamment, à avoir pu bénéficier de deux projets d'Inventons la métropole, celui de la porte Brancion et celui que vous rapportez, qui s'inscrit d'ailleurs dans un projet beaucoup plus vaste hein, que nous soutenons, qui est de réaménager finalement l'ensemble des berges, notamment au niveau de la Seine sud-ouest, qui devrait conduire d'ailleurs au déménagement de la centrale à béton Lafarge, hein, dont nous parlerons dans un instant, mais aussi à requalifier l'échangeur des quais, qui est aujourd'hui exclusivement routier. Nous venons d'observer la rénovation de la station service avec son alimentation en GNV, et puis bien sûr, surtout autour de ce projet, en accompagnement de ce projet, une restauration de la voirie qui permettra aussi d'avoir une entrée de Paris convenable entre ici les Moulineaux et le 15e. Je vais donc soumettre aux voix ce projet de délibération. Qui est pour ? Contre ? Le groupe écologiste ? Qui s'abstient ? Personne. Merci. Le numéro 6, DEV 11, budget participatif, convention spécifique pour l'accompagnement technique d'Air Paris sur la démarche de suivi participatif du projet d'urbanisme Maine-Montparnasse. Merci. Le 7, DAE 18, convention portant sur l'organisation du marché du livre ancien de Paris dans la halle aux chevaux du parc Georges Brassens. Merci. Le 8, DAE 69, subvention de 4 858 000 euros et convention avec 87 structures menant des actions d'insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA et d'autres publics fragiles. Madame Sérac. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, il n'est plus à démontrer, je pense, que le 15e est un arrondissement qui se veut solidaire à l'égard de ceux qui sont en difficulté ou en précarité. Notre arrondissement a depuis longtemps eu le souci de venir en aide avec de nombreuses associations, soit pour les personnes de la rue, pour les femmes victimes de violences, pour un soutien aussi par l'aide alimentaire, pour la réinsertion par l'emploi, ce qui est l'objet de cette délibération ce soir. Et plus particulièrement, le souci de ceux qui sont non seulement sans emploi, mais sans emploi depuis longtemps, et qui ont besoin de structures particulières, autres que Pôle emploi. Ce public a besoin d'une aide plus globale, aide à la formation, aide à la maîtrise de la langue, aide à l'accès aux droits, etc. Une recherche et de recherche d'emploi, bien sûr. Rechercher un emploi, il faut un accompagnement pour faire un CV, particulièrement difficile, quand on a fait de petits boulots, puis des périodes sans travail, qu'on a perdu des papiers si on est resté sans logement également. Faire une lettre de motivation, et là, je vais me permettre un petit exemple personnel, j'avais reçu au temps de l'UIS une personne pour qui Pôle emploi lui avait donné 5 adresses de restaurants pour être plongeur, qui cherchait des plongeurs. Eh bien, Pôle emploi demandait une lettre de motivation à ce pauvre monsieur qui ne savait à peine écrire et qui est venu à l'UIS où on était écrivain public pour qu'on lui fasse des lettres de motivation. Je pense que là, ça manquait quand même beaucoup d'intérêt et que ça n'avait pas. Il fallait mieux convoquer ce monsieur et voir si ça avait lavé une assiette plutôt que de savoir si ça avait rédigé un courrier. Donc, je continue, recherche d'emploi, mais aussi aide pour motiver les personnes à reprendre en main leur vie, vie qui est souvent bien cabossée. Aide pour savoir se présenter dans une tenue correcte, arriver à l'heure à un rendez-vous,
et l'emploi trouvé les aider à s'y tenir de façon régulière. C'est très difficile de reprendre un travail quand pendant des mois, si ce n'est des années, vous n'avez pas travaillé. Les subventions proposées dans cette délibération sont ainsi destinées à toutes ces associations qui se battent avec conviction et compétence pour l'insertion par le travail dans des structures différentes. Je voudrais juste m'attacher en quelques mots à celles qui sont basées ou qui interviennent dans le 15e. Alors, le Centre d'action sociale de la ville, bien sûr, qui a créé un chantier de bio-nettoyage à partir d'une expérience faite auprès du public qu'ils hébergeaient dans leur CHU ou CHRS. Ce sont des agents polyvalents et qui interviennent à l'occasion dans les deux EHPAD du 15e arrondissement. L'association ACSP, qui depuis 1987 travaille dans le 15e, rue de Lourmel, avec engagement, détermination et réussite, et a permis à beaucoup de retrouver le chemin de l'emploi. BIS, boutique solidaire du Secours catholique Caritas, dont une boutique est ouverte depuis presque deux ans maintenant, rue Saint-Charles, boutique de vente de vêtements de seconde main, de qualité, et même de grandes marques pour certaines pièces. Ces boutiques permettent de faire travailler des agents qui, soit pour le tri, soit pour le contrôle de la qualité, soit pour le nettoyage, transport, aménagement de boutiques, vente. Aurore, grande, très grande association qui a plus de 1000 salariés, qui est créée dans le 15e, qui est à l'origine, qui a beaucoup de structures différentes, des CHRS, des CHU, foyers pour personnes handicapées, pour personnes sortant de prison, hôpital psychiatrique de jour, etc., et qui fait intervenir ses salariés en réinsertion dans ces structures, dont certaines sont dans le 15e, bien sûr. Les régies de quartier, qui est une formidable structure de réinsertion par l'emploi, mais avec une dimension sociale et sur un territoire localisé. Ces associations ne fonctionnent, outre l'aide financière de la ville, par des subventions, que par l'engagement très important de leurs dirigeants et de leurs équipes, à qui je tiens ce soir de rendre un vibrant hommage et les remercier. Merci. Des interventions ? Oui, monsieur Brage, allez-y. Ah non, monsieur Amiel, pardon. Nous partageons oui, un micro, je demande mais pas le vraiment, point. Juste, c'est un point d'ordre, manifestez-vous très distinctement quand vous souhaitez prendre la parole, parce que la salle est vaste, c'est mal éclairé. Voilà, donc agitez votre luminaire ou je ne sais quoi, enfin, manifestez-vous. Et je suis désolé pour un de nos collègues, Henri Josefovitch, qui avait demandé la parole tout à l'heure, paraît-il, sur le règlement intérieur et que je n'ai pas eu. Désolé. Voilà, merci. À vous, monsieur Amiel. Merci, monsieur le maire. Je voulais dire d'abord, évidemment, que je partageais entièrement ce qui avait été dit par madame Sérac. Et puis saluer aussi, à travers cette délibération, le fait que sur un sujet aussi important, l'État d'un côté et la ville de Paris de l'autre puissent avancer dans la même direction. L'insertion par l'activité économique est, on le sait, un instrument très précieux de lutte contre l'exclusion. Ce n'est plus à démontrer, puisqu'elle montre et elle s'adresse, comme ça vient d'être rappelé par Mme Sérac, à des personnes qui sont les plus éloignées, comme on dit parfois un peu technocratiquement, du marché de l'emploi, qui sont très brisées par la vie. Mais ça montre que ces personnes-là, pour peu qu'il y ait des parcours adaptés aux difficultés de chacun et un accompagnement peuvent progressivement exercer à nouveau une activité professionnelle. C'était une priorité du plan pauvreté du gouvernement lancé au début du quinquennat avec une augmentation massive et sans précédent des crédits pour doubler, faire même plus que doubler le nombre d'IAE au niveau national. Et donc nous nous félicitons que la ville s'inscrive dans cette perspective pour accompagner encore dans les années qui viennent la montée en charge de ces dispositifs. Et je crois qu'il n'y a pas de doute sur le fait que nous en aurons besoin, notamment pour panser les plaies de la crise sanitaire. Il faudra non seulement des crédits, mais aussi accompagner probablement davantage les structures, ceux qui s'y engagent sur tous les plans, sur le plan juridique, sur le plan financier. On sait que ça peut être parfois une barrière à accueillir d'autres personnes et à faire face à ces importantes montées en charge. Merci, allez-y. Madame, oui, vous avez la parole. Allez-y. Oui, oui. Merci, monsieur le maire. Donc, cette délibération permettant l'attribution de subventions à des structures et associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et la poursuite de la mise en œuvre du plan Paris Boost Emploi, présenté au Conseil de Paris de novembre 2020, qui vise à soutenir la recherche d'emploi pour les Parisiennes et les Parisiens qui en sont le plus éloignés, avec pour rappel comme principale mesure une formation professionnelle gratuite
pour chaque Parisienne et chaque Parisien en recherche d'emploi, une expérience professionnalisante au sein de la ville et de ses satellites pour un objectif de 45 000 jeunes, l'expérimentation de nouveaux territoires zéro chômeur de longue durée, la mise en place d'un observatoire de l'emploi et d'économie parisienne pour analyser les tendances et anticiper les mutations afin d'adapter les politiques publiques. Enfin, l'insertion par l'activité économique avec le doublement du nombre de bénéficiaires des dispositifs, sujet de la délibération. Un vaste programme ambitieux que l'on ne peut que saluer et soutenir. Et je le vois avec les intervenants qui m'ont précédé, tant les besoins sont énormes, amplifiés par les conséquences engendrées par la crise sanitaire qui est en train de se vivre. Enfin, l'occasion aussi de remercier ces structures et associations, leurs salariés et bénévoles, pour l'importance qu'elles et ils représentent en œuvrant pour l'insertion des plus défavorisés. Je vous remercie. Merci, Madame Beaucheron. D'autres intervenants ? Je n'en vois pas. Donc, je vais donner la parole à Madame Germont, rapporteure. Oui, Monsieur le maire, chers collègues. Donc, dans le cadre du plan Boost Emploi, vous l'avez rappelé, voté en novembre 2020 au Conseil de Paris, des dispositifs favorisant le retour à l'emploi des personnes qui en sont le plus éloignées sont prévus, et parmi ceux-ci figure donc l'insertion par l'activité économique. Alors, le 15e dans tout cela. Eh bien, l'analyse de chacun des articles de cette délibération permet donc de reconstituer en fait les associations opérant dans le 15e ou ayant leur siège dans le 15e, telles que Sylvie Serrac l'a mentionné, avec un montant globalisé, donc on va dire en fourchette haute, de 512 000 euros. Alors, en ce qui concerne les ateliers et chantiers d'insertion, une subvention est prévue pour le Palais de la Femme, structure d'hébergement gérée par l'Armée du Salut, pour un montant de 84 000 euros. Une subvention est également prévue pour l'association Aurore, précisons qu'il s'agit de 73 000 euros. Autre subvention prévue pour le CASVP avec 146 000 euros. Ça, c'est pour la partie en ce qui concerne les ateliers et les chantiers d'insertion. Autre structure, en ce qui concerne les associations intermédiaires, on parle d'une subvention de fonctionnement de 36 000 euros qui est prévue pour la CSVP. Enfin, en ce qui concerne les entreprises d'insertion elles-mêmes, une subvention globale de fonctionnement de 61 000 euros prévue pour la boutique BIS, boutique solidaire que vous avez évoquée. Et puis, dernier point, avec une subvention de 112 000 euros qui est prévue au profit du Mando, qui opère notamment dans le 15e. Alors, sur le fond, on note quand même que certaines des associations que cette délibération propose de subventionner ne sont pas connues par la mairie du 15e, avec laquelle elles n'entretiennent pas de relations spécifiques. Notons également qu'aucune concertation ni consultation de la mairie du 15e n'avait été effectuée au préalable par la mairie centrale. Et en dépit, bien évidemment, de ce manque de concertation préalable, et dans un souci de ne pas pénaliser les associations connues qui ont besoin de ces financements, eh bien, nous vous proposons de voter en faveur de cette délibération. Je vous remercie. Bien, merci. Je vais donc soumettre au vote ce projet de délibération qui est pour... Contre, abstention, unanimité, merci. Le 9, DHJ 10, subvention et avenant numéro 2 de 290 750 euros à la convention pluriannuelle pour l'organisation de consultations gratuites d'avocats en mairie d'arrondissement avec l'ordre des avocats du barreau de Paris. Pas d'intervention, merci. Le 10, DAZES 20, subvention de 367 220 euros et convention avec 15 associations pour leurs actions d'aide à l'accès aux droits. Madame Serrac. Merci, Monsieur le maire. Dans cette délibération qui concerne 15 associations, seule une est dans le 15e arrondissement. Je n'en dirai pas grand-chose car nous n'avons jamais eu de contact avec eux, jamais pu avoir de contact avec eux. J'y suis allée plusieurs fois, c'est toujours fermé. Je suis désolée, d'habitude les gens ont la correction de se présenter et moi j'ai l'habitude surtout d'aller voir les associations parce que j'aime bien les rencontrer sur place.
Alors, la seule fois où j'ai pu avoir un contact, c'était par des réclamations des personnes qui habitent dans cet immeuble et qui se plaignaient justement de va-et-vient incessant, nuit et jour, de personnes. Et donc, je n'en dirai pas plus. Par contre, il y a une autre association qui n'est pas dans le 15e arrondissement spécifiquement, mais je voudrais dire un petit mot parce que c'est une belle association et qui fait un travail très beau travail, en particulier pour l'organisation de cérémonies funéraires pour des personnes de la rue pour lesquelles aucun proche, aucune famille ne sont connus ou retrouvés. Et grâce à l'action de Mort dans la rue, ils sont enterrés de façon tout à fait belle au cimetière de la ville de Paris de Thiers, et dont je tenais aussi à les mettre en valeur ce soir. D'autres interventions? Monsieur Josefovitch. Monsieur le maire, mes chers collègues, quoi de plus heureux que d'encourager l'accès au droit, surtout quand il est effectué par des associations, mais encore le droit, c'est aussi le respect de la règle de droit et de la légalité. L'association Droit Devant s'est illustrée par des occupations parfois illicites de bâtiments, à commencer par l'église Saint-Bernard, il y a presque 25 ans, au détriment du légitime affectataire du lieu. L'association a organisé des opérations spectaculaires dont je ne mets pas en cause l'aspect pacifique, mais qui ne peuvent que laisser circonspects tous ceux pour qui l'avancée du droit ne s'illustre pas que par des coups d'éclat ou par des actions qui suscitent un malaise certain, et j'en veux pour preuve l'occupation du Panthéon le 12 juillet 2019. Vous nous diriez que nous avons l'esprit de chapelle, mais je rappelle que notre arrondissement justement a cherché à rencontrer les différents acteurs de la solidarité. Et je renvoie au témoignage de ma collègue Sylvie Sérac, mais malheureusement, nous avons trouvé porte close. Monsieur le maire, mes chers collègues, pour ces raisons, vous comprendrez nos réserves et notre avis, qui en fait n'est pas favorable à toute la délibération, mais nous aurions aimé procéder à une disjonction de notre vote. Mis à part l'article 4, le reste de la délibération ne pose pas de problème. Voilà, monsieur le maire, mes chers collègues, dans la mesure du possible, nous aurions aimé justement ne pas voter la subvention pour cette association qui pose différents problèmes. Je vous remercie. Vous avez parfaitement raison, monsieur le rapporteur. Donc, s'il n'y a pas d'intervention, je vais soumettre ce vote en deux temps. Tout d'abord, l'article 4, 10 juin, avec une proposition, avec un avis défavorable de l'exécutif. Et ensuite, le projet, ainsi amendé, si je peux dire, avec un avis favorable, cette fois-ci, de l'exécutif. Donc je mets aux voix l'article 4 avec un avis défavorable de l'exécutif qui est contre, qui est pour plutôt, commençons par le pour. Voilà, la gauche et les écologistes, et qui est contre. Voté, qui s'abstient? Le groupe indépendant et progressiste. Maintenant, donc c'est l'article 4, 10 juin, est donc rejeté. Je soumets à votre vote le projet de délibération moins l'article 4, qui est pour. Avec un avis favorable de l'exécutif. Qui est pour? Voilà, qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Merci. Le 11, DAC 174, avec une subvention de fonctionnement de 117 000 euros accordée à 6 associations arts visuels œuvrant pour la jeune création et signature de conventions. Il s'agit de 40 000 euros pour l'association Immanence, 21 avenue du Maine, pour le 15e. Intervention. Merci. Le 12, DAC 370, une subvention de 48 500 euros aux 19 comités d'arrondissement et au comité départemental de Paris de la FNACA. Pour la FNACA du 15e, j'ai une subvention de 1 200 euros. Une intervention. Voilà. Vous avez raison, c'est bien. Ça, c'est vraiment pratique. Madame Beaucheron, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, pour rappeler que la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc, Tunisie, de Paris, créée en 1958, compte 5 000 adhérents regroupés dans 20 comités locaux, 371 000 adhérents sur le plan national, hein, rassemblés dans 3 560 comités locaux ou cantonaux. Le comité de Paris 15e compte pour sa part 450 adhérents. Elle agit en faveur de la paix, notamment en commémorant chaque année le 19 mars 1962, date du cessez-le-feu ayant permis de mettre fin à la guerre d'Algérie, la mémoire des militaires morts pour la France, dont 754 dans la capitale
et celle de toutes les victimes civiles de cette guerre. Elle développe également un important travail de mémoire en direction des jeunes lycéens, étudiants et de la population pour que leurs témoignages servent aux futures générations et pour que ne se reproduise plus jamais un tel gâchis humain. Avec cette délibération, l'occasion de féliciter le travail porté par cette fédération et en particulier du comité Paris 15e, dont tout le monde reconnaît le dynamisme et toute l'importance. Je vous remercie. Nous partageons ces observations sur le dynamisme de la FNACA 15e. Madame Niakate. Je vous remercie. Un mot pour dire que nous voterons également pour cette délibération au soutien des comités de la FNACA. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a déjà dit ma collègue sur la vocation pacifique de la FNACA. Juste un mot peut-être pour dire que cette délibération est l'occasion de souligner la publication récente du rapport Stora, commandé par le gouvernement et paru en janvier dernier. Rapport portant des préconisations intéressantes, dont l'entrée au Panthéon de Gisèle Halimi, recommandations tendant à atténuer les cicatrices de la guerre et à franchir des pas supplémentaires sur la question de la réconciliation entre la France et l'Algérie. Je vous invite donc à consulter ce rapport qui contribue à une vision apaisée de la relation de la France et ses anciens territoires coloniaux. Je vous remercie. Alors, ce rapport n'est pas soumis à notre vote, mais nous aurons bien volontiers le consulter. Comme nous le proposez, y a-t-il d'autres interventions ? Donc, la parole est au rapporteur, Madame Clotilde Roire. Je vous remercie, Monsieur le maire, mes chers collègues. Je suis là surtout pour saluer le travail de la FNACA, leur rendre hommage, ainsi qu'à leur président, M. Christian Albéraud, et bien sûr à voter pour. Voilà. Merci. Je soumets donc à votre vote ce projet de délibération numéro 12, qui est pour, contre, abstention, unanimité. Merci. Le 13, DAC 371, subvention de 22 000 euros à 8 associations historiques, dont 7 dans le cadre de conventions pluriannuel d'objectifs signés en 2019. Pour le 15e, il s'agit de la Société historique archéologique qui nous sert d'une subvention de 1 500 euros. Intervention, merci. Le 14, DFPE 52, subvention de 829 869 euros et avenant aux conventions pluriannuelles avec 5 associations pour l'animation d'ateliers en RAM-RAP, c'est-à-dire ABC Puriculture, qui anime le RAM-RAP, le Petit Jardin, Aristide Mayol, pour 98 019 euros. La Fondation de la Croix-Saint-Simon, pour 363 725 euros. Crescendo, pour son LEP mobile dans le 15e, et pour les rendez-vous des assistantes maternelles et auxiliaires parentales à Paris, pour 706 626 euros. Pas d'intervention. Merci. Le numéro 15, DFPE 64, subvention de 32 162 euros et avenant numéro 6 avec l'association Au fil de la découverte pour la halte garderie rue de Kronstadt. Le 16, DFPE 105, une subvention de 175 518 euros et avenant numéro 8 avec l'association La Ribambelle pour son établissement Petite Enfance 41-45 rue de Javel. Merci. Le 17, qui est l'approbation du règlement intérieur pour l'utilisation des cours d'école et de collège ouvertes au public. Monsieur Racapé. Oui, alors une question, monsieur le maire, mes chers collègues. En cette période où les Parisiens subissent les contraintes des confinements, des couvre-feux et autres restrictions de manière certainement plus importante que pour les Français vivant dans d'autres régions moins denses, je peux comprendre la volonté et le besoin de leur donner de l'espace et la nécessité de rechercher de nouveaux lieux. Néanmoins, le 30 novembre 2020, nous votions ici même en faveur de l'ouverture aux associations de la cour d'école Oasis rue Emeriot. À ce jour, nous ne disposons d'aucune évaluation du dispositif, ni d'évaluation financière, ni d'évaluation en matière de sécurité. Monsieur le maire, mes chers collègues, avez-vous des informations sur la non-expérimentation sur la cour de l'école Emeriot? Avez-vous plus d'éléments à fournir quant aux différentes expérimentations qui ont pu être mises en place ici ou là? Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur ce sujet? Oui, monsieur Sidbon. Juste pour dire que là, on encadre par un règlement une disposition qui est en train de se mettre en place, qu'on a votée, qui est assez vertueuse,
Et donc, il y aura une expérimentation, il y aura un retour d'expérience au bout de quelques semaines. Mais enfin, pour être passé, voir ce qui s'y passait. Alors, malheureusement, les premières semaines, il y a eu de la pluie. Mais enfin, il y a un animateur, Olivier, qui est très actif, qui propose des tas de choses aux jeunes du quartier. Bon, tout ça me semble quand même très, très positif. Je pense qu'on pourrait s'en féliciter collectivement. Et après, il y avait là, ce qu'on va voter, c'est le règlement qui permet de mettre un certain nombre de garde-fous pour que il y ait un certain nombre de dispositions de sécurité qui sont naturelles. Mais c'est un dispositif, moi, je pense qu'il faut vraiment encourager et pas freiner. Voilà, parce qu'on a besoin d'espace à Paris. Ça a toujours été souligné que là, en plus de ça, il y a des activités qui sont proposées, des ateliers photo, enfin bon, plein d'autres choses. Vraiment, moi, j'ai été tout à fait conquis en passant les voir. Je crois que les premières semaines, il n'y avait pas beaucoup de monde parce qu'il pleuvait. Les semaines suivantes, il y a eu plus de monde. Bon, voilà, je crois que c'est encouragé et je ne voulais pas laisser une parole trop négative sur ce sujet. Merci de votre intervention. S'il n'y en a pas d'autres, je passe la parole à la rapporteure, Madame Rolgen. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, lors du conseil d'arrondissement du 30 novembre, en effet, je vous avais invité à voter pour la délibération 137 de la DASCO, autorisant les associations à occuper à titre gratuit les cours d'école. Et il était précisé pour le 15e arrondissement, en effet, qu'était concernée la cour de la maternelle Emeriot. Cour Oasis, créée grâce au crédit européen FEDER, qui nous oblige à une ouverture au public pour des manifestations diverses ou par temps de canicule. Je vous informe que, contrairement à ce qui a été voté, c'est la Cour Oasis du 17 Vigée-Lebrun qui a été ouverte en raison de la fragilité de la Cour Emeriot. Les équipements tels que le pont et la Via Ferrata ont été vite impraticables et nécessitent maintenant des réparations. Et les espaces végétalisés sont encore trop fragiles. Nous avons aujourd'hui à délibérer du règlement concernant l'occupation des cours d'école. Je suis complètement d'accord avec vous, ça aborde bien toutes les activités. Et ceci avant quand même qu'un premier bilan de l'expérimentation n'ait été tiré. Règlement, certes, mais c'est surtout l'élargissement et la pérennisation d'un dispositif pas encore évalué qui pose problème. Ce dispositif coûte cher et le rapport nombre de familles concernées, moyens mis en place par la ville pour l'animation, le gardiennage, le personnel de ménage suite à l'occupation de ces locaux est assez exorbitant. Pour l'instant, ces coûts sont supportés par la ville de Paris, mais aucune garantie n'est apportée pour la suite de cette opération. Qu'en est-il en plus du choix des associations qui vont intervenir dans ces cours ? Les maires d'arrondissement seront-ils partenaires de la sélection de ces associations après appel à projet, comme ils sont dans le choix des associations intervenant après appel à projet sur les TAP, rappel des temps d'activité périscolaire. D'autre part, en ces périodes de situation sanitaire difficile, est-il raisonnable de considérer que la cour de récréation qui est ouverte est un espace public et donc que les enfants de moins de 12 ans peuvent y accéder sans masque, alors qu'en sur temps scolaire et périscolaire, le protocole sanitaire très strict dans les écoles et les cours interdit le brassage des enfants. À cette question posée à la CASP, il nous a été répondu qu'il n'y aurait même pas de liste de fréquentation, ce qui interdit en cas de Covid aucune possibilité de traçage. Enfin, je voudrais terminer sur le fait que les crédits Ville de Paris, en ce qui concerne les jeux de cours, les sols souples et autres aménagements de cours, sont cette année quasiment nuls. Et ceci, dès février, c'est terminé. Comment allons-nous finir l'année ? Certaines cours d'école et de collège ont besoin d'être sérieusement rénovées. Nous ne pouvons plus utiliser pour ces rénovations le bitume, puisque nous devons aller vers des cours oasis, ce dont nous nous réjouissons. Mais ces cours oasis coûtent extrêmement cher. Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de préserver l'état des cours et leurs aménagements. Donc, je vous invite à vous abstenir sur cette délibération en attendant le résultat de l'évaluation de la première expérimentation et la réponse aux questionnements posés. Je vous remercie. Bien sûr, ce projet de délibération avec soit de l'exécutif de l'abstention, je mets aux voix qui est pour. Contre, abstention, le groupe indépendant et progressiste, c'était la majorité. Merci.
Le 18, subvention et convention entre la Ville de Paris et la Fédération française de basketball, SG8. Madame Louise Agathe Charpentier. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, nous ne pouvons que nous réjouir d'une telle convention. Pour rappel, le square Calmette se situe au 72 boulevard Lefebvre, entre les quartiers Brancion et Périchaud. Tout projet qui vise à rénover et améliorer le cadre de vie des habitants du quartier est donc très important. Grâce à cette convention, la Fédération française de basket va donc rénover trois terrains qui, nous le savons, sont très prisés par les joueurs du quartier. Entre les centres sportifs Rigoulot de la Plaine, le projet de restructuration de la porte Brancion, qui comporte lui aussi un centre sportif, et maintenant ce partenariat avec la Fédération française de basket, il semblerait que le quartier Brancion devienne un haut lieu de la pratique sportive pour notre arrondissement. Or, nous le savons, la pratique d'un sport ne règle pas tous les problèmes, mais le sport est porteur de valeurs positives comme la compréhension mutuelle et le respect. J'espère donc que cette initiative s'inscrira dans le long terme et même au-delà des Jeux Olympiques et qu'elle sera porteur d'encore plus de projets positifs pour le quartier et ses habitants. Je vous remercie. Merci. Oui, allez-y, monsieur Ripert, vous avez la parole. Bonjour. Comme j'ai eu l'occasion de le dire lors des précédents conseils d'arrondissement, je me réjouis de voir que régulièrement nous avons à nous prononcer pour des réalisations ou des versements de subventions liés aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Il est primordial que cet événement ait une résonance concrète dans les quartiers et que cela profite directement aux habitants, comme c'est le cas avec ce projet. Le projet présenté ici est doublement intéressant. Premièrement, comme l'a dit ma collègue, car il se situe dans un quartier difficile, dans une zone enclavée, enfin le square se situe dans une zone enclavée entre les Périchauds et le périphérique, et une zone qu'on oublie un peu trop souvent, mais également car l'objectif de ce réaménagement est d'en profiter pour embellir le lieu en créant une œuvre artistique sur les terrains. À voir d'ailleurs comment on pourrait intégrer les joueurs qui fréquentent régulièrement ce terrain pour participer à ce réaménagement, pour donner leur avis sur ce réaménagement. Voilà, merci. Merci, monsieur Ripert. S'il n'y a pas d'autres interventions, rapporteur, madame Kermabon. Monsieur le maire, mes chers collègues, je souhaitais débuter mes propos en saluant l'honnêteté de la mairie de Paris, puisque je cite, la convention de coopération présentée ici. Si le maillage sportif parisien est l'un des plus denses au monde, le nombre d'équipements sportifs ne suffit pas pour répondre à tous les besoins des Parisiens. Ne nous mentons pas, je retiens cette phrase pour le reste du mandat. En outre, après des décennies de politique de la ville, le sous-équipement est flagrant dans les territoires urbains en difficulté dans le domaine sportif. D'après une étude parue pour l'Institut Paris Région, les QPV franciliens regroupent 5% des équipements sportifs pour 13% de la population. Je me permets de faire référence aux QPV, puisque cette délibération s'inscrit notamment dans l'accord cadre de l'Agence nationale du sport, permettant le soutien de terrains de basket 3-3 dans les QPV. Ouvrirait-on la voie à l'inscription de ce quartier comme QPV ? Parenthèse refermée. Je ne peux que me réjouir qu'une telle délibération nous soit proposée ce soir. Celle-ci fixe le cadre et les bases d'une coopération entre la mairie de Paris et la Fédération française de basketball jusqu'au JO 2024 et permet de réhabiliter des terrains de basket. Ainsi, la FFBB accorde au titre de l'année 2021 150 000 euros à la mairie de Paris pour rénover 13 terrains de basket. Dans notre arrondissement, le choix s'est porté sur le TEP du square du Dr Calmette. Outre les bénéfices directs pour les habitants, comme a pu le rappeler ma collègue Louise Agathe Charpentier, ce choix n'est pas anodin, car actuellement, c'est le lieu de la pratique du street dans le 15e. Dans la pratique, le terrain de 5-5 sera transformé en 2-3-3 et un nouveau terrain de 3-3 sera créé. Ce qui m'amène à soulever un premier point. Est indiqué dans cette délibération que cette volonté s'inscrit dans la mesure 13 du programme Transformation Olympique, un nouvel équipement sportif par arrondissement. Je suis donc allée voir de plus près cette mesure. Je cite, pour y parvenir, deux points, construire un nouvel équipement sportif par arrondissement. Certes, je ne me demande pas une aréna sur l'héliport, ou pas encore, mais si la construction de ce nouvel équipement sportif se résume par la création d'un terrain supplémentaire de 3-3, je trouve cela un peu léger. Second point sur lequel je voudrais revenir. Ici, tout est question de coopération. Cependant, je déplore que cette coopération soit essentiellement entre la mairie de Paris et la FFVB, qui s'engagent à se rencontrer de manière régulière afin d'échanger sur les conditions d'exécution de la convention et d'identifier les actions communes à mener. Les mairies d'arrondissement et les clubs et les
associations locales sont associées pour animer les terrains et y développer de nouvelles actions. En clair, pas de discussion avec les acteurs locaux, y compris les habitants, sur les équipements qui pourraient bénéficier d'une telle aide. Et je le regrette profondément. La décentralisation prônée pendant la campagne des municipales par l'exécutif parisien serait-elle uniquement un effet de communication ? Mes chers collègues, malgré ces deux points de vigilance, je vous propose un vote favorable et je voudrais remercier la Fédération française de basketball pour son implication dans ce projet. J'en profite pour féliciter et rendre hommage aux clubs et associations qui sont actuellement dans une situation dramatique, leur réaffirme tout mon soutien et ma porte leur sera toujours ouverte. Je vous remercie. Absolument, il faut les soutenir, absolument. Donc je soumets ce projet de délibération à votre vote, mes chers collègues, avec un avis favorable de l'exécutif qui est pour, contre, abstention, unanimité, merci. Nous arrivons au projet de délibération dont nous avons adopté le passage à notre ordre du jour de ce soir avec la procédure d'urgence qui concerne la signature de la charte téléphonie mobile et création de l'Observatoire de la téléphonie mobile DEV 22. Oui, Madame Niakate. Je vous remercie, Monsieur le maire. Concernant cette délibération DEV 22, malheureusement, nous voterons contre celle-ci, et cela à double titre. D'abord parce que nous déplorons le recours à la procédure d'urgence qui nous laisse moins de 24 heures ouvrables pour l'examen de cette délibération et d'une charte d'une telle importance. L'annonce surprenante faite vendredi soir par voie de presse de la conclusion d'un accord entre la ville de Paris et les opérateurs de téléphonie mobile sur le déploiement de la 5G nous a quelque peu surpris et contrariés. Et pour cause, cette annonce a été faite alors que les auditions et le travail de révision de la charte de la téléphonie mobile avec les groupes politiques du Conseil de Paris sont encore en cours. L'ADEME et le Haut Conseil pour le climat qui ont pointé quelques risques environnementaux de la 5G n'ont pas été auditionnés, ni les bailleurs sociaux qui sont pourtant les premiers concernés. Donc les élus sont mis devant le fait accompli et ce sont des méthodes de gouvernance que nous estimons contestables. Ensuite, sur le fond, la nouvelle version de la charte est une régression par rapport à celle existante. En effet, les délais d'instruction des demandes d'installation d'antennes sont significativement raccourcis, empêchant ainsi la bonne information et une bonne concertation avec les habitants concernés. La charte ne prévoit aucune mesure environnementale précise, comme par exemple des engagements en termes d'évitement ou de compensation de surplus des émissions de CO2 liées à la 5G. Et cette charte est signée pour une durée de 5 ans avec reconduction tacite, sans clause de revoyure, alors même que l'ADEME et l'ANSES sont censés rendre des rapports, respectivement un rapport environnemental et un rapport sanitaire, à la fin de cette année, rapports qui permettront de mieux mesurer les impacts de la 5G. Donc la charte doit être votée au Conseil de Paris début mars. Les écologistes vont déposer une série d'amendements afin d'améliorer significativement l'information et la concertation des habitants et des habitantes, ainsi que les engagements environnementaux et sociaux des opérateurs téléphoniques. Dans l'attente de ces modifications substantielles, nous ne pouvons que nous opposer à ce texte. Oui, d'ailleurs, nous avons bien reçu le communiqué de votre groupe qui évoque une méthode de gouvernance antidémocratique et autoritaire de la maire de Paris. C'est ce que a déclaré votre groupe cet après-midi, donc je comprends votre opposition, même si on ne la partage pas forcément. D'autres interventions ? Oui, Monsieur Luineau. Monsieur le maire, chers collègues, la signature d'une nouvelle charte de téléphonie mobile était devenue un impératif absolu dans la ville de Paris, compte tenu notamment des évolutions technologiques récentes. Parmi elles, la 5G est un atout essentiel pour la ville, son attractivité en tant que capitale de rang mondial, mais aussi en vue de la préparation des JO et des Jeux paralympiques. Cette nouvelle technologie, couplée à des enjeux de société qui se posent aujourd'hui en des termes nouveaux, rendait nécessaire un nouveau pacte avec les opérateurs de téléphonie mobile français. Je parle notamment du besoin de mettre à jour notre contrôle des expositions aux ondes, au besoin de mieux prendre en compte les enjeux environnementaux et de l'économie circulaire. Nous ne pouvons donc qu'être bienveillants à l'égard de cette nouvelle charte de téléphonie mobile, même si nous aurons l'occasion de revenir sur certaines de ces failles, de même que nous ne pouvons que saluer le choix de la raison, même s'il a pris du temps, de la maire de Paris d'autoriser enfin le déploiement de la 5G. Il n'en demeure pas moins surprenant
que cette délibération nous ait été communiquée que si tardivement, ça a été mentionné par ma collègue. Étant donné sa portée, elle aurait en effet pu être présentée en amont aux différents groupes plutôt que surgir de la sorte. Cette impression de hâte explique sans doute aussi pourquoi la charte proposée manque d'anticipation et de clairvoyance en ne couvrant que la 5G de ce que nous appelons la bande cœur, sans évoquer la 5G millimétrique. Je vous remercie. Merci. Qui souhaite s'exprimer encore sur ce projet de délibération ? Monsieur Cidbon. Écoutez, alors, la couverture... la ville de Paris a été particulièrement impliquée dans une démarche volontariste de contrôle et de suivi du développement de la téléphonie mobile, et ce depuis longtemps, puisque la ville de Paris a adopté une première charte parisienne de téléphonie mobile en 2003. Cette charte, elle a souhaité la mettre à jour dans le cadre du déploiement de la 5G, comme vous le savez, et comme vous le savez, en organisant une conférence citoyenne métropolitaine qui a permis à 85 personnes habitant Paris et 3 départements de la Petite Couronne de débattre des enjeux du développement de la 5G et de formuler des recommandations d'action pour les collectivités. À la suite de cette conférence, une procédure de renégociation de la charte a été mise en œuvre, et c'est cette procédure qui a abouti récemment. L'accord entre la ville et les opérateurs permet des avancées qu'il faut tout de même noter, donc intéressons-nous au fond. D'abord, optimiser le recyclage et la réutilisation des équipements de téléphonie mobile, contribuer au respect de l'accord de Paris et du plan climat de la ville de Paris, protéger les données et les libertés publiques, faciliter l'accès pour tous aux services de téléphonie et l'inclusion numérique, et enfin, informer les citoyens sur la sobriété numérique, la consommation responsable, la vigilance sur l'utilisation des données personnelles. Enfin, afin de s'assurer de la bonne exécution de cette charte et de proposer des évolutions, la ville de Paris va mettre en place une instance de suivi intitulée Observatoire parisien de la téléphonie mobile. Et donc, au vu de ces avancées, dont je félicite la ville d'avoir poussé les opérateurs auxquels on aboutit, eh bien, évidemment, notre groupe votera pour cette délibération. D'autres demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas, donc parole du rapporteur, M. Canal, en absence de Mme Bordry. Que j'excuse pour des raisons personnelles, elle n'a pas pu être présente parmi nous ce soir. Et, merci, M. le maire, mes chers collègues. Comment ne pas abonder tout d'abord en propos liminaires sur les propos du groupe Les Verts ce soir ? Recevoir une telle délibération le vendredi soir à 19h30 pour une session qui se tient le lundi soir 18h, c'est quand même exceptionnel sur un sujet aussi sensible, empreint évidemment de conséquences et de questionnements tout à fait légitimes, notamment d'un point de vue sanitaire. Et je suis d'autant plus surpris que nous avons la chance d'avoir dans notre Assemblée un grand contempteur de la démocratie participative, et je suis d'ailleurs très surpris que lui-même, M. Cidbon, vous n'ayez pas relevé ce déni de démocratie qui consiste à mettre les élus devant le fait accompli, car sinon, si nous ne l'avions pas ce soir sous les yeux, nous l'aurions eu directement devant le Conseil de Paris. Je vous ai connu beaucoup plus redoutable concernant ces questions de démocratie participative. Enfin, je pose cela, en veux-tu, en voilà. Quant au fond du maintenant du sujet, sur cette délibération, je voudrais tout d'abord indiquer que cette charte, de notre point de vue, va quand même dans le bon sens. Il faut bien le reconnaître, car le sujet de la 5G, aussi compliqué soit-il, permet d'au moins d'apporter des réponses techniques à une transformation économique et sociale de notre société, de notre économie, singulièrement dans le 15e arrondissement et notamment dans ses impacts en termes d'équipement numérique. On l'a un petit peu évoqué, mais je le répète ici, parce qu'on a déjà eu des échanges au mois de novembre avec Franck Level qui portait un vœu en la matière. C'est la 5G qui nous permettra d'augmenter évidemment nos capacités en termes de télémédecine. C'est aussi la 5G qui nous permettra d'assurer les demandes de plus en plus importantes en termes de bandes passantes, concernant notamment la généralisation du télétravail. Je ne parle évidemment même pas de toutes les innovations possibles, les services qui seront proposés aux Parisiens et aux Parisiennes en termes de Smart City. Et j'observe et je donne ici un petit clin d'œil à ma collègue Anne-Sophie Bordry, particulièrement investie dans ce domaine. Mais on peut aussi rajouter une couche là-dessus, c'est quand même la prise en considération du territoire du 15e arrondissement. Car quand même, n'oublions pas que dans le 15e, nous avons la chance d'avoir ce que nous appelons le triangle d'or des médias, à savoir la plus grande concentration en Europe
de médias dans un secteur géographique donné, avec le groupe Altice, RFM, BFM, RMC, les titres du groupe LVMH, mais aussi, ne l'oublions pas, un réseau de start-up très important, inscrit d'ailleurs dans le partenariat avec la Corée du Sud, mais aussi la présence de l'incubateur Boussico, qui est quand même le troisième incubateur de Paris. Ça mérite d'être dit, et comme le disaient tout à l'heure mes collègues, n'oublions pas non plus que nous avons la perspective des Jeux Olympiques 2024. Personne ne comprendrait que la ville de Paris ne permette pas de disposer de tous les standards internationaux les plus performants pour pouvoir permettre le développement et l'attractivité de l'économie dans le 15e arrondissement. Et là, je salue ma collègue Alexa Germont, très à la pointe sur ce type de sujet. La charte ici présentée, elle a aussi un autre bénéfice, c'est qu'elle propose un seuil provisoire d'exposition aux ondes de l'ordre de 5 vols par mètre pour les antennes à faisceau variable, ce qui était d'ailleurs le taux qui était retenu pour les antennes à faisceau fixe. Là encore, c'est une mesure de protection vis-à-vis des populations. Et comme l'a dit ma collègue du groupe Les Verts tout à l'heure, il y aura évidemment, enfin, ces seuils seront à mettre en perspective par rapport aux rapports qui vont être produits, mais tardivement, mes chers collègues, puisque en effet, c'est en fin d'année qu'ils seront émis par l'ANSES et aussi par l'Agence nationale des fréquences. Je me permets de citer au passage l'action quand même importante de la municipalité, enfin en tout cas de la précédente, en termes de protection des populations. Je rappelle quand même que sous la précédente mandature, un gros travail a été réalisé à telle enseigne, par exemple, que n'importe quel particulier, que ce soit dans une démarche individuelle pour son logement propre ou que ce soit dans une démarche collective ou même dans le quartier dans lequel il évolue, peut demander, peut solliciter des mesures, des évaluations d'émission de ces ondes. C'est systématiquement accordé. Je rappelle aussi que dans le 15e arrondissement, nous appliquons le principe de précaution de manière très importante dans ce domaine-là en tout cas, parce que par exemple, nous interdisons la mise en place d'antennes fixes ou variables, peu importe, dans un périmètre en deçà de 100 mètres autour de tous les établissements qui reçoivent soit des publics très jeunes, donc les groupes scolaires, ou des publics seniors. Dernier élément aussi, dont ce qui a été pratiqué et ce qui continue d'être pratiqué dans le 15e arrondissement, ce sont les fameuses réunions de concertation avec la population et qui mettent partie prenante les opérateurs, qui sont d'ailleurs des rencontres musclées, on va dire très franches, et c'est une pratique qui a porté ses fruits dans le 15e arrondissement, et je salue au passage l'action en la matière de Franck Lefebvre et de ma collègue Claire de Clermont-Tonnerre, qui nécessite un gros travail de préparation et d'accompagnement. Je voudrais dire au passage, monsieur le maire et mes chers collègues, que le groupe Changer Paris a réalisé un très gros travail d'accompagnement et de proposition, d'amendement, dans la perspective de la proposition de cette charte qui a fait quand même l'objet de beaucoup d'évolutions. Par exemple, c'est grâce à leurs travaux que nous avons introduit dans cette charte la possibilité de disposer très en amont de la cartographie d'installation des antennes et surtout la possibilité de faire des simulations d'émissions d'ondes sur le territoire dans lequel elles ont vocation à être implantées. C'est aussi grâce à leurs propositions, mais malheureusement, elles ne sont pas allées assez loin, et nous le regrettons dans cette charte, qu'ont été intégrées, grâce en effet à la validation de l'exécutif parisien, d'autres mesures, telles que par exemple la possibilité, on va dire, de recyclage du matériel numérique déployé dans le cadre des antennes actuelles 4G. Malheureusement, nous déplorons qu'on ne soit pas allé jusqu'au bout de la logique, car si la charte précise bien que les opérateurs participent à ce recyclage, elle ne l'impose pas. C'est bien que ça dévitalise en quelque sorte la portée de cette disposition, d'autant plus d'ailleurs que dans l'exposé des motifs, en l'occurrence, l'orientation est beaucoup plus ferme qu'elle ne l'est dans la charte. Il est dommage qu'on ne soit pas allé jusqu'au bout en la matière. Mais le deuxième angle mort, qui de notre point de vue est de loin le plus délicat, c'est les stades de développement de la 5G. Car en l'état actuel dans la charte, on permet donc un développement de la 5G sans difficulté, parce que la portée des ondes de la 5G telle qu'il est envisagée correspond à peu près à la même que celle de la 4G, de la 3G, de la 2G. Et là, il n'y a pas de risque sanitaire. Or, dans 2 ans, on sait déjà que les opérateurs vont déployer un autre stade de développement avec des antennes, enfin, dites 5G millimétriques, à savoir du 26 GHz contre du 3,54, je crois, selon l'ARCEP, en l'état actuel pour la première stade du 5G. Et là, il n'y a aucune sécurité sanitaire vis-à-vis des habitants et nous ne disposons pas d'études irréfragables qui viendraient garantir la sécurité des habitants qui seront exposés à ces antennes. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui ont participé à ces propositions, et je salue le travail de mon collègue David Alphand dans le 16e, mais aussi Anne-Sophie Bordry, Mathieu Luneau, qui ici ont beaucoup contribué et œuvré à ces propositions, nous regrettons
que M. Simonneau n'ait pas accepté notre proposition d'introduire une clause de revoyure dans 2 ans, c'est-à-dire au moment où les opérateurs vont déployer ce deuxième stade de déploiement de la 5G, afin de nous assurer de remettre sur la table les discussions avec les opérateurs pour bien nous assurer qu'ils vont mettre en place, ou en tout cas qu'ils prouveront l'absence de risque vis-à-vis des populations. Pour toutes ces raisons, nous allons quand même voter favorablement pour cette charte, car encore une fois, elle donne un instrument, elle donne des cadres de surveillance du déploiement de cette 5G à Paris. Il ne faut pas avoir d'aversion spontanée vis-à-vis du progrès de la technologie, tout en restant prudent, notamment via les réserves que j'ai indiquées ici, parce qu'il faut avancer toujours avec la plus grande transparence et la plus grande pédagogie. Et encore une fois, je ne puis qu'exprimer mon regret que l'exécutif parisien n'ait pas pris la peine d'avoir des sessions de préparation à destination de toutes les formations politiques qui s'y présentent. Oui, merci, monsieur le rapporteur. Je joins mes protestations aux vôtres quant à la procédure employée par la ville qui nous oblige à délibérer de ce sujet extrêmement important, bien sûr, pour la ville et pour les Parisiens dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Donc, je le redis, nous avons néanmoins souhaité que ce projet de délibération soit inscrit à l'ordre du jour, comme je l'ai dit précédemment, de façon à pouvoir en délibérer et que l'examen ne se fasse pas qu'au Conseil de Paris. Mais c'est quand même insupportable d'être saisi le vendredi soir pour le lundi d'un projet de cette nature, de cette dimension qui engage la ville de Paris pour les années à venir. La deuxième chose que je voudrais dire pour conclure, c'est que nous renouvelons les engagements que nous avions pris à l'initiative d'Anne-Sophie Bordry en septembre dernier lors d'un précédent débat à l'occasion d'un vœu, nous engageant à saisir l'Agence nationale des fréquences autant que de besoin pour vérifier le déploiement, le taux d'émission des antennes relais actives. Nous demandons aussi des simulations générales, dès lors que dans un bouquet d'antennes, certaines sont actives, d'autres non, par prévention et par précaution. Souhaitons également des contrôles réguliers des taux d'émission, une mise à jour régulière de la carte cartoradio.fr sur laquelle nous trouvons la localisation des antennes et leur rayonnement et que nous relayerons sur les supports digitaux de la mairie du 15e notamment. Il faut avoir quand même, vous l'avez dit, les uns et les autres, la plus grande vigilance quant au respect de la conformité des seuils et des déploiements au règlement en vigueur. Ces précisions étant apportées, bien sûr, comme vous l'avez recommandé, nous proposons un vote favorable sur cette délibération que nous mettons aux voix, qui est pour, qui est contre, le groupe écologique, qui s'abstient, personne, merci. C'est adopté. Excusez-moi. Donc, nous en avons fini avec les projets de délibération. Je vous invite maintenant à voter celles qui n'ont pas suscité de débat. Qui est pour, contre, abstention, unanimité, merci. Maintenant, nous passons à la partie, à la deuxième partie de notre conseil concernant les vœux, avec un vœu numéro 19, qui est un vœu à la maire de Paris, déposé par les élus de la majorité du 15e, relatif au changement de destination de la zone concernée de zone grand service urbain, la zone urbaine verte. Et la parole est à Madame Evren pour présenter ce vœu. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais, avant de résumer ce vœu, informer mes collègues que nous avons reçu aujourd'hui même une réponse à notre courrier conjoint transmis à Madame Pompili sur les nuisances générées par la centrale à Béton-Lafarge. Alors, je dois dire que c'est un courrier extrêmement décevant, qui n'est en fait qu'une pâle copie de tous les arguments de la ville de Paris, et je dirais même pire, car il renvoie tout simplement à une concertation avec les riverains, alors que tout le monde sait que les riverains ont été profondément déçus et que leurs demandes les plus importantes ont toutes été rejetées, notamment la réduction de la hauteur des installations et la végétalisation qui, malheureusement, n'ont pas été retenues. Donc, je trouve ça extrêmement surprenant de la part de Madame Pompidou, qui est censée défendre la cause environnementale. Et donc, je communiquerai naturellement cette réponse aux associations riveraines
et à Madame Ibled, je ne sais pas si elle était en copie de ce courrier, mais malheureusement, vos positions ne sont pas alignées. Alors, ce vœu a pour objectif, donc, comme vous le disiez, Monsieur le Maire, le changement de destination donc, de la zone concernée de zone de grand service urbain en zone urbaine verte. Et nous demandons également qu'une délibération soit présentée dans les plus brefs délais. Je rappelle que la surface est située dans le grand corridor central de la Seine et que le projet viendrait donc rompre cette continuité écologique et créerait un obstacle entravant la chaîne de biodiversité. Et par ailleurs, il y a de part et d'autre de cette zone, déjà deux zones urbaines vertes, le parc André Citroën, qui est le poumon vert du 15e arrondissement, et le jardin des mères et grand-mères de la place de Mai. Ce projet contrevient par ailleurs aux objectifs qui sont portés par le futur PLU bioclimatique, au regard notamment de celui visant à faire de Paris une ville, je le rappelle, au patrimoine et paysage préservé, et de celui visant à en faire une ville durable et décarbonée. Et j'ajoute que dans le poste précédent, le PLU actuel, cette zone était tout simplement classée zone de tourisme fluvial, de promenade et de loisirs. Je ne reviens pas, évidemment, puisque je ne fais que résumer ce vœu, sur les récentes pollutions de la Seine et les graves non-conformités dont s'est rendue coupable la Farge, les fuites notamment dans les bassins de décantation, le nettoyage des installations à l'aide de l'eau de la Seine, les déversements d'eau usée dans la Seine par des camions toupies. Nous demandons donc, avec les élus du 15e, pour toutes ces raisons, que le zonage actuel de la zone soit modifié de zone de grand service urbain en zone urbaine verte. Je vous remercie. Merci pour avoir présenté ce vœu et effectivement évoqué la lettre que nous avons reçue aujourd'hui de Madame Pompili, et sur laquelle, malheureusement, je partage votre analyse. Madame Clermont-Tonnerre pour la réponse. Merci, Monsieur le Maire. Monsieur le Maire, mes chers collègues, chacun connaît ce dossier qui nous occupe depuis plusieurs années, dossier qui aura fait couler beaucoup d'encre dans les médias, mais aussi beaucoup de béton sur nos berges. Je salue les nombreuses initiatives prises par les différents groupes pour tenter de mettre un terme aux diverses pollutions engendrées par le cimentier sur le port de Javel-Bas. Je tiens également à souligner la ténacité avec laquelle Agnès Evren et vous-même, Monsieur le Maire, menez ce combat depuis des années pour la reconquête de nos berges. Combat qui trouve tout son sens dans le contexte de changement climatique et dans le cadre des projets de trames vertes et bleues que nous portons afin de restaurer la biodiversité. Je déplore qu'en dépit de la forte mobilisation des riverains et des élus locaux, la Farge, soutenue par l'État, AROPA et la ville, s'arc-boute sur son projet de bétonisation des berges avec la réalisation de cette énorme centrale, alors même que les nouvelles règles de construction encouragent désormais le recours aux matériaux biosourcés et au réemploi. Dans la mesure où le premier adjoint de la maire de Paris vient de lancer l'élaboration du futur PLU bioclimatique avec l'objectif de réaliser une ville décarbonée, capable de résister aux effets du dérèglement climatique, il nous semble cohérent que, sans tarder, la partie du port de Javel-Bas inscrite en zone de grand service urbain soit classée en zone urbaine verte. Ce changement de destination relève d'une démarche que nous connaissons bien. Je rappelle que notre conseil a été saisi au mois de décembre d'une procédure similaire portant sur le changement de zonage de la parcelle 6 au 399 bis rue de Vaugirard. Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter ce vœu afin d'éviter que, du fait du maintien de la centrale, les berges de Javel-Bas restent figées à l'état de zone industrielle pour les 20 ans à venir. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des explications de vote ? Oui, Madame Berreté. Monsieur le maire, mes chers collègues, donc on consultera ce courrier, effectivement, on n'en a pas eu connaissance avant ce conseil d'arrondissement. Je vous transmettrai, on l'a reçu ce soir, il y a une heure. D'accord, merci beaucoup. Néanmoins, donc, l'idée est de se dire qu'il faut trouver une solution au niveau de Paris. Donc, comme vous le savez, notre groupe a pris position, ici même et à plusieurs reprises au Conseil de Paris, pour s'opposer à la présence des cimentiers au beurre de Seine. Nous savons tous que les conséquences sur l'environnement et la biodiversité sont dévastatrices. Je vous rappelle que nous avons ici un corridor écologique, véritable réservoir de la biodiversité de la Seine et de ses berges. Il est de notre ressort de le protéger et de penser dès aujourd'hui aux générations futures. Dans le cadre de la révision du PLU bioclimatique,
votée en décembre et de sa validation supposée en 2023, comment peut-on valider et renouveler l'exploitation de la centrale à béton Lafarge pour une durée de 20 ans ? Cela pourrait apparaître comme une décision précipitée. Ce n'est donc pas raisonnable et contraire à la volonté actuelle de favoriser les matériaux biosourcés. Le changement de destination de la zone du quai de Javel, aujourd'hui zone de grand service urbain, à zone urbaine verte, permettrait de protéger cette zone tout en incluant dans la ville et les activités, en incluant la ville et les activités urbaines. Nous rappelons ici qu'avant la modification en 2006 du PLU, cette zone était classée zone de tourisme fluvial, de promenade, de restauration et de loisirs. Comment est-il possible aujourd'hui de fermer certains quais aux voitures pour en faire des espaces de promenade et des pistes cyclables et laisser d'autres quais ouverts aux activités industrielles, bruyantes et polluantes, et aux fameux camions toupies qui sont d'un autre temps? Nous voterons donc le vœu présenté par l'exécutif. Merci de votre position. Y a-t-il d'autres explications de vote? Oui, Monsieur Braget. Oui, mes chers collègues, je sais que vous souhaitez finir le plus tard possible et que mon intervention soit longue. Hélas, je vais vous décevoir, vous êtes je serai très très bref. Vous reprenez la proposition que nous avions faite il y a quelques semaines de cela, donc nous en réjouissons et évidemment nous voterons pour. Merci en tout cas de votre brièveté. Monsieur Sidbon, qui sera aussi bref, sans doute. Non, je le serai un peu moins, je suis désolé. J'ai essayé, on peut dire. Oui, je sais, mais j'aime vous faire plaisir, puisqu'apparemment, il faut... Non, on va faire bref, et on va faire surtout dans le fond des choses. Je suis un peu surpris, d'abord, de votre position, Madame Berrette, parce que c'est un peu schizophrénique, avec, effectivement, le courrier qui est arrivé. Mais bon, peu importe, intéressons-nous au fond. Sur le fond, on ne va pas refaire tout le débat, d'une part, qui a eu lieu au Conseil de Paris et auquel a répondu de manière excellente notre premier adjoint Emmanuel Grégoire. Sur la question précise des déclassements de zone et du PLU, il faut rentrer dans le détail, c'est un peu technique. D'abord, il faut retenir que seuls 10% des quais bas appartiennent à la zone urbaine de grands services urbains, tel le port de Javel. L'essentiel des quais bas, 75%, relève de la zone urbaine verte. Or, quand on regarde le PLU, le zonage UGSU est notamment conçu pour l'accueil d'activités portuaires visant à, je cite, « améliorer la réception, la diffusion, l'enlèvement des marchandises de toute nature en réduisant les pollutions dues à leur transport, par l'utilisation notamment du fer ou de la voie d'eau, mode de transport alternatif à la route, susceptible de contribuer à l'approvisionnement des activités économiques comme des particuliers ». Ça, c'est ce que dit le PLU actuel. La promotion du fret fluvial et le maintien de ports au cœur de l'agglomération sont donc des objectifs d'intérêt général, notamment mentionnés dans le schéma directeur de la région, qui doit être pris en compte dans notre PLU et qui prévoit spécifiquement le maintien de sites logistiques multimodaux en bord de Seine à Paris, dont le site du quai de Javel. Maintenant, sur les perspectives de travail, la révision du PLU actée en décembre 2020 doit permettre de renforcer notre réflexion sur l'avenir de la Seine. Elle sera accompagnée de nombreux ateliers, notamment de concertations citoyennes, afin de définir ses orientations. Et il semble donc prématuré de lancer une telle démarche de modification du PLU en parallèle. Elle permettra de plus d'avoir une réflexion d'ensemble sur l'avenir de l'aménagement des berges de la Seine. Et par ailleurs, le Conseil de Paris a voté deux démarches importantes qui doivent venir nourrir nos réflexions et auxquelles beaucoup d'élus du 15e participent. D'une part, une étude sur les besoins en béton jusqu'à 2040. L'étude est en cours. Et d'autre part, la création d'une MIE Seine qui travaille, auquel je crois M. Canal participe, qui travaille depuis plusieurs semaines et doit remettre ses conclusions d'ici l'été. La révision prochaine du cahier des prescriptions architecturales et paysagères des berges de Seine permettra donc de rehausser l'ambition sur l'insertion des activités industrielles et de logistique sur la Seine. Le passage de la totalité des quais de Seine en zone UV ne permettrait pas le maintien des activités approvisionnées par le fleuve. Je ne les recite pas pour aller vite, mais vous les connaissez et certaines sont tout de même indispensables pour l'approvisionnement de Paris en matériaux de construction. Et ça irait à l'encontre de l'objectif recherché si on supprimait ça, ces zones, en induisant un accroissement du trafic routier. Cela a été plusieurs fois rappelé. L'enjeu principal n'est donc pas le passage de 100% des quais bas en zone UV, mais le travail avec Aropa pour la transition écologique des activités portuaires en zone UGSU.
À noter enfin une erreur factuelle dans le vœu, puisque le passage du quai de Javel en zone UV impliquerait une procédure de modification de révision du PLU ne pouvant résulter d'une simple délibération du Conseil de Paris, mais devant faire l'objet d'une procédure formalisée comportant une enquête publique et donc s'étalerait sur plusieurs mois, la rendant quasi caduque. Sur la Farge et le site Javel, le projet existe déjà. Il s'agit ici de la rénovation et on a obtenu ensemble l'absence d'agrandissement de la capacité de production et la concertation est toujours en cours et a également permis d'obtenir une amélioration de l'insertion architecturale et paysagère et la végétalisation du site. Cette concertation est toujours en cours et il faut donc la laisser se poursuivre pour pouvoir aboutir à la solution la moins mauvaise possible. Oui, juste deux choses. Il n'est pas vrai que le passage en zone UV verte amènerait le déplacement de toutes les activités, notamment celles qui ne sont pas polluantes. Et deuxièmement, nous attendons toujours, nous qui faisons partie avec Agnès Evren, un certain nombre de collègues ici de la commission de concertation sur la Farge, nous attendons toujours les études démontrant la justification de l'emplacement, de la localisation de cette centrale à béton à cet endroit-là, ce que aucune étude n'a démontré. Une centrale à béton de cette importance, surtout qu'on en a trois quand même, quelques centaines de mètres d'intervalle dans le 15e sur le quai, devrait évidemment voir son implantation être repoussée dans une zone industrielle et non pas en pleine ville. Voilà, c'est tout ce que je veux dire pour compléter ce débat. Y a-t-il d'autres explications de vote, prise de parole? Il n'y en a pas, donc je soumets ce vœu à votre vote avec un avis favorable de l'exécutif qui est pour, contre, la gauche, abstention, il n'y en a pas, merci. Alors là, nous allons joindre deux vœux qui sont les deux vœux sur le réservoir de Grenelle puisqu'ils ont le même objet. Et Madame de Clermont-Tonnerre fera une réponse groupée. Ils vont être présentés donc successivement, mais dans le cadre d'une discussion commune. Tout d'abord, le vœu numéro 20, qui est un vœu à la maire de Paris déposé par la majorité du 15e, relatif à la préservation du réservoir de Grenelle comme espace de biodiversité. Et c'est Madame Charpentier qui le présente. Monsieur le maire, mes chers collègues, le 125 bis rue de la Bégroule cache un trésor parisien, un réservoir constitué de deux bassins sur une surface de 2000 m2, construit en 1888 et soutenu par une remarquable structure voûtée. Or, cet espace est au cœur de nombreuses tractations. Des riverains se sont regroupés en associations afin de sauvegarder cet héritage patrimonial et conserver un cadre de vie agréable face à un projet qui ne nous semble pas opportun à cet endroit. En effet, l'implantation d'une ferme aquaponique entre les rues Ivar et Abbegroult risque fort d'être source de nuisances dans un lieu si densément peuplé. Nuisances visuelles avec des bâches en plastique qui formeront des serres, nuisances olfactives avec l'activité de pisciculture et nuisances sonores induites par l'activité de l'exploitation. Monsieur le maire, vous avez toujours été en faveur de l'agriculture urbaine et ce projet nous semble être une bonne idée, mais son implantation rue de l'Abbegroult n'en est pas moins problématique. C'est pourquoi ce projet mérite d'être revu en concertation avec les associations et les riverains des rues Ivar et Abbegroult. Mais surtout, l'exécutif parisien doit accompagner l'association porteur de ce projet afin de trouver un site plus approprié à cette activité. Je vous remercie. Merci pour cette présentation. Maintenant, on va passer au vœu déposé par le groupe écologiste de Paris 15e relatif au réservoir de Grenelle. C'est Madame Yakate qui le présente. Je vous remercie. Je profite que j'ai la parole pour dire que nous voterons pour le vœu de la majorité, même si nous avons une petite réserve sur le déplacement de l'exploitation d'aquaponie sur un autre site, nous le voterons. Dans notre vœu, nous déplorons la disparition de l'îlot de fraîcheur que constituaient les réservoirs de Grenelle. Nous déplorons également le maraîchage hors sol du projet d'aquaponie prévu, ainsi que l'élevage intensif de truites qu'il implique dans un espace très
très contraint tout au long de la vie de ces animaux, sans garantie effective de soins ou de leur bien-être. Je ne parle même pas des objections qui ont été suscitées par ce projet quant à sa viabilité technique et économique. Donc, pour toutes ces raisons, notre vœu propose la mise en place d'une concertation avec les riverains pour étudier un projet alternatif de biodiversité et respectueux de la condition animale. Et il prévoit aussi qu'on remette en eau les réservoirs de Grenelle dans l'attente. Ça fait 3 ans que je crois que les réservoirs sont vides et c'est vrai que la vue est absolument horrible pour les riverains. Et il propose également que le projet d'aquaponie soit suspendu dans l'attente de l'issue de la concertation que j'ai évoquée un instant plus tôt. Merci pour ce vote. Madame Clermont-Tonnerre répond. Non, pardon, j'ai pas. Ah, excusez-moi, je ne vous avais pas vu, monsieur Amiel. Merci. Oui, il y a encore d'autres intervenants. Monsieur Amiel. Merci, monsieur le maire, je vous en prie. Nous sommes très favorables aux 2 vœux qui ont été déposés, à la fois par la majorité et par les élus écologistes. Depuis le début, nous soutenons les riverains qui se mobilisent contre ce projet de ferme aquaponie qui est aberrant tant au regard du fond, et ça a été rappelé par les intervenants qui viennent de prendre la parole. Il y a plusieurs arguments, évidemment, qui justifient le rejet. Je crois que un emporte tous les autres. Comment comprendre, alors qu'on est en train de discuter d'un PLU bioclimatique, que l'on s'interroge sur la manière de rendre la ville plus adaptée aux canicules à venir et au réchauffement climatique, que l'on décide dans ces réservoirs de faire des serres sous plastique au lieu de points d'eau et de fraîcheur. Je ne reviens pas non plus sur la méthode et sur l'absence de concertation. C'est quelque chose que nous déplorons sur un certain nombre de sujets et en particulier sur celui-là. C'est pourquoi nous voterons en faveur de ces 2 vœux. Merci. Madame Roy. Oui. Oui. Merci, monsieur le maire. En préambule, je voudrais quand même rappeler que le projet d'aquaponie dont on parle ce soir est lauréat de l'appel à projet Pariculture de novembre 2016 et de rappeler que l'objectif que j'espère partager par tous et toutes ici est de développer l'agriculture urbaine à Paris, c'est-à-dire de promouvoir une agriculture tournée vers les consommateurs locaux afin de répondre aux défis d'une alimentation plus durable et aussi à des enjeux climatiques avec des circuits courts. Le Conseil de Paris, en septembre 2015, dans son schéma directeur d'usage de l'eau non potable à Paris, avait déjà prévu l'évolution des réservoirs de Grenelle qui étaient déjà hors service, avec la volonté, bien sûr, de conserver, de valoriser ce patrimoine assez exceptionnel. Ça, on en est d'accord. Sur le caractère patrimonial, je rappelle que le projet intègre une obligation de réversibilité de l'installation, et cet engagement est garanti par les équipes d'ingénierie d'Haute Paris, qui vérifie à chaque étape le respect de cette obligation. Sur toutes les questions et les inquiétudes bien légitimes qui ont été posées par les habitants, il y a eu plusieurs réunions publiques et des réunions aussi de conseils de quartier qui ont permis de dialoguer et de répondre à beaucoup de préoccupations. Notamment pendant l'été, les serres seront régulièrement ouvertes et l'évapotranspiration des plantes libérera de l'humidité qui rafraîchira l'atmosphère comme dans un espace vert classique pour répondre aux questions sur l'îlot de fraîcheur. Sur la question de nuisance, il y a eu des réponses qui ont été apportées. Hein. Il y a une étude, une mesure de niveau de bruit qui a été effectuée avant implantation, étude transmise à l'association Respiration 15e, un niveau sonore qu'il faudra bien sûr suivre. Et la porteuse de projet avait bien indiqué lors de la réunion publique de mars 2018 que la zone de pisciculture serait bien isolée phoniquement et les autres nuisances n'ont à ce jour pas été démontrées. Sur l'intégration paysagère, elle a quand même fait l'objet d'un approfondissement et d'une modification suite aux demandes des riverains, avec notamment plus de végétalisation des murs, des toits des bungalows, des coursives, la plantation d'arbres fruitiers. Et je rappelle que les serres sont quand même translucides et permettront de voir la végétation au travers. Autre point positif quand même de ce projet, quand même rappelons qu'il s'agit de production de qualité adaptée aux saisons, donc de produits frais, sans intrants chimiques, sans pesticides. Il y aura donc aussi un bénéfice pour les habitants du 15e qui pourront bénéficier en fait de ces récoltes avec des paniers certainement sous forme d'AMAP par exemple ou à travers les restaurants du quartier. Et un impact aussi positif en termes d'emploi, vous avouerez que dans la période c'est quand même aussi un argument important puisque ça pourra créer plusieurs emplois à temps plein. Très récemment, le tribunal administratif a débouté les associations qui avaient établi des recours contre ce projet.
Il a notamment confirmé que ce projet d'aquaponie relevait bien de l'agriculture urbaine et qu'il était possible de l'accueillir dans une zone urbaine verte telle qu'elle est définie dans le plan local d'urbanisme. Et dernier point qui me paraissait important, on voit bien qu'il y a toujours des inquiétudes soulevées par ce projet, qu'il ne faut pas les ignorer. Donc je pense que ça serait utile de réfléchir à un dispositif qui permettrait de suivre et d'informer sur la mise en place du projet en lien avec les questions des habitants. Et pour toutes les questions que j'ai, les raisons pardon, évoquées précédemment, nous voterons contre les deux vœux. Merci Madame Roy. Madame, alors oui, donc vous êtes exprimée. Qui ? Madame Clermont-Tonnerre. Ben non. Alors allez-y. Vous êtes trop bon, Monsieur le maire, merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, je remercie les groupes Changer Paris et Écologiste pour leur mobilisation autour de ce projet d'exploitation aquaponique sur les réservoirs de Grenelle, mobilisation qui ne date pas d'aujourd'hui, puisque dès 2017, vous aviez, monsieur le maire, émis un avis défavorable sur le permis de construire, avis qui ensuite a été suivi de plusieurs vœux déposés conjointement avec Agnès Evren d'ailleurs, notamment en mars 2019. Si nous soutenons activement les projets d'agriculture urbaine dès lors qu'ils s'inscrivent dans un cadre approprié et sont respectueux du plan climat, en revanche, ce projet d'exploitation aquaponique en ce lieu est un vrai contresens. Premièrement, sur le plan paysager et patrimonial, avec l'installation sous les fenêtres des riverains d'énormes serres en polyéthylène dans des bassins vidés de leur eau. Deuxièmement, sur le plan climatique, ces aménagements suppriment un îlot de fraîcheur et créent un îlot de chaleur en cœur d'un quartier très dense, alors que parallèlement, la ville de Paris nous demande de réaliser des cours oasis dans les écoles et de nouvelles mares dans les jardins. Enfin, sur le plan de la biodiversité, sachant que lorsqu'ils étaient en eau, les réservoirs accueillaient une grande diversité d'oiseaux, on est là vers un appauvrissement de la biodiversité. De plus, ce projet s'inscrit à rebours des attentes des riverains. Au lieu d'améliorer leur cadre de vie, il créera des nuisances de tous ordres, olfactives, visuelles, sonores, alors que dans un souci constructif, l'association Respiration 15 porte depuis 2017 un projet alternatif en phase avec le programme Plus de nature en ville et totalement en cohérence avec la feuille de route de M. Najdowski sur la biodiversité. Au vu de la détermination de la maire de Paris à soutenir le projet Grinel contre vents et marées, et devant l'impasse faite sur l'avis des habitants et de l'association Respiration 15, nous constatons une fois de plus que le discours de l'exécutif sur la co-construction ou sur la prise en compte de la parole citoyenne relève du seul registre de la communication. Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter ces deux vœux qui demandent la suppression du projet Grinel sur le site des réservoirs, la recherche d'un emplacement alternatif de nature à permettre à la société Grinel de développer ses activités, et la conception, en concertation avec les riverains et les associations locales, d'un véritable îlot de fraîcheur et de biodiversité sur le site des réservoirs. J'ajoute pour conclure que la mairie de Paris et ses partenaires ont prévu de lancer le 3 mars la 4e édition de l'appel à projet Pariculteur. Une liste de nouveaux sites susceptibles d'accueillir de l'agriculture urbaine sera alors dévoilée. Peut-être y aura-t-il là une opportunité d'emplacement plus appropriée pour implanter le projet de ferme aquaponique. Je vous remercie. Oui, merci. Je voudrais relever cette observation pour que il n'y ait pas d'ambiguïté. Nous ne sommes ni défavorables à l'agriculture urbaine, que nous essayons de développer au maximum dans le 15e, et ni aux fermes aquaponiques, bien sûr, mais c'est une question de localisation. La deuxième chose, c'est la concertation que vous évoquiez, Madame Roy. Vous savez, dès 2017, déjà, j'adressais un courrier à Madame Comites, à l'époque, qui était en charge de cette question, pour l'alerter sur les nombreuses externalités négatives qui étaient induites par ce projet, sans compter les doutes émis par beaucoup sur le modèle économique, d'ailleurs. Ensuite, plusieurs vœux ont été émis, jusqu'à une réunion particulièrement houleuse qui s'est déroulée ici en présence de Madame Comites. Et la concertation était tellement poussée à fond que Madame Comites a quitté la réunion en plein milieu de la réunion, a quitté la mairie en plein milieu de la réunion, ne supportant plus les critiques de la population qui était venue fort nombreuse pour essayer d'expliquer les raisons pour lesquelles elle s'opposait, enfin les riverains notamment s'opposaient à ce projet et proposaient à la place un autre projet également de biodiversité.
Donc voilà, ni sur le fond, ni sur la concertation, les choses ne se sont déroulées comme elles auraient dû se dérouler. C'est la raison pour laquelle nous donnons un avis favorable à chacun de ces deux vœux sur lesquels vous allez devoir maintenant vous prononcer, mes chers collègues. Donc je soumets au vote le vœu numéro 20 de la majorité du 15e, qui est pour, contre, la gauche, abstention, personne, et le vœu du groupe écologique, qui est pour, merci d'être attentif, oui, qui est contre, la gauche, qui s'abstient, personne. Merci pour ce débat. Maintenant, nous allons passer au vœu numéro 21, qui est un vœu à la maire de Paris et au préfet de police, déposé par la majorité du 15e, relatif à la mise en place d'une politique de prévention et de régulation face aux dangers que constitue l'usage détourné de substances telles le protoxyde d'azote, en particulier sur les jeunes. C'est M. Vespoumis qui le présente. Il a la parole. Mes chers collègues, monsieur le maire, il y a plusieurs mois que le sujet de la consommation détournée de substances hallucinogènes, en particulier le protoxyde d'azote, est sur la table. Cette drogue douce, peut-on dire, ce gaz hilarant aux effets multiples que j'évoquerai un petit peu plus tard, n'est pas nouvelle, sa consommation n'est elle non plus pas inédite, mais depuis plus d'un an en forte croissance. Lors du premier déconfinement, au moment du second tour des municipales de 2020, et nous en avions parlé, nombre de cartouches vides de protoxyde d'azote à usage alimentaire, c'est-à-dire des cartouches servant à pressuriser les aérosols type siphon à chantilly, pouvaient être observées par terre, sur les quais, les trottoirs, en bas des immeubles, bref, sur de multiples sites dans l'arrondissement et dans Paris. Depuis, on les observe moins, mais la consommation de protoxyde d'azote, essentiellement prisée par les jeunes car très peu coûteux et très facile d'accès, nous y reviendrons, a évolué et n'a pas décru. Évoluer dans le sens où moins de cartouches sont retrouvées, car les jeunes privilégient désormais des bouteilles de protoxyde d'azote de plusieurs litres, n'a pas décru dans le sens où le couvre-feu maquille la réalité, qui est que l'évocation du sujet, qui est celui de la consommation de protoxyde d'azote massive, en groupe, en extérieur ou intérieur, par des jeunes mineurs ou majeurs, n'a été que trop partielle, trop ponctuelle et trop introductive. Avec Louis Latine, adjoint à la jeunesse, nous souhaitons dans cette mairie faire évoluer les liens entre jeunes, familles, parents donc, proviseurs, associations et professionnels sur tout sujet majeur, dont les sujets qui impliquent une prévention, une alerte, un dialogue, voire des actions plus poussées. La consommation de gaz hilarant en fait évidemment partie. Pour ce faire, nous avons organisé il y a un peu plus d'une semaine, une table ronde accueillant associations, jeunes et trois addictologues venus parler de la consommation de ce principe actif. Ils nous l'ont redit, ce n'est pas un propos hâtif et irréel. La consommation n'a pas baissé, la prévention est trop faible. Seuls quelques professionnels ont été formés à ce sujet, comme on l'a pu le voir il y a quelques temps, les équipes Arkea qu'on a rencontrées. Venons-en au principal, l'origine de ce vœu. Nous souhaitons protéger un maximum les plus jeunes des consommations qui peuvent leur être proposées, leur inspirer un certain plaisir peut-être, les mettre en danger surtout, mettre en danger leurs concitoyens et les amener peut-être un jour à consommer davantage, je ne l'espère pas, mais c'est un fait. Nous avons le pouvoir de le faire et ainsi, vous en conviendrez, le devoir de le proposer. Quels risques encourent ces jeunes ? À court terme, quelques rires, une certaine déconcentration, une fatigue, peut-être donc de moins de réussite scolaire, mais c'est peut-être annexe face au danger au long terme. Plusieurs jeunes nous ont témoigné les effets que peut avoir cette substance, qui, je le rappelle, est inscrite comme faisant partie des substances vénéneuse dans le milieu médical, c'est un anesthésiant, des effets tels une perte de sensibilité sur les extrémités nerveuses, type perte de sensibilité dans les mains. Il y a une explication à cela, la démyélinisation. On notera d'autres effets graves, mais celui-ci parle déjà de lui-même. Que devons-nous donc faire ? Premièrement, nous souhaitons que soit à nouveau pensée et élaborée une politique de prévention. Une campagne de prévention ait lieu dans les écoles, les collèges, les lycées de Paris, associations, élus et associations, je le redis, c'est un danger qui est à portée de main des jeunes et qui est très facilement évitable. Aussi, pour que ce travail soit efficace, je pense qu'il serait nécessaire d'au moins ponctuellement recenser l'évolution de la consommation de protoxyde d'azote, comme cela est déjà fait dans certaines villes, je pense à Lille, et à la cartographier au-delà même du 15e, même si je parle ici de l'arrondissement.
Les campagnes de prévention pourraient ainsi être plus sectorisées et s'adapter à l'évolution de la consommation dans le temps. Comment ? En comptabilisant très ponctuellement les cartouches et bouteilles retrouvées. Merci. Enfin, je conclue. Enfin, et ce n'est pas la moindre proposition, nous demandons à ce que la maire et le préfet pensent à protéger plus activement encore les mineurs de ces substances. Il faut penser à une possible régulation active de leur consommation au-delà de la prévention. Je noterai en conclusion que, même si elle n'est pas encore parvenue à franchir l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, une proposition de loi visant à limiter la vente de protoxyde d'azote et à considérer également la problématique du e-commerce a été adoptée à l'unanimité l'an passé au Sénat. Je vous remercie. Merci et je me réjouis du débat très enrichissant qui a eu lieu ici dans cette mairie, comme vous l'avez rappelé, avec des professionnels et le public sur le protoxyde d'azote. La réponse de M. Jeanneté. Merci M. le maire. Merci cher recteur Vespromi d'avoir attiré l'attention sur ce sujet important qu'est la consommation auprès des jeunes de cette substance qu'est le protoxyde d'azote. Merci d'avoir organisé avec l'U Latine cette réunion d'information dans le 15e, réunion à laquelle j'ai participé. Car, comme vous le savez, la prévention, la lutte contre les drogues est un sujet qui m'est cher. Aujourd'hui, le protoxyde d'azote est une drogue. Elle est reconnue comme telle par l'Observatoire français des drogues et de la toxicomanie. Elle est, d'ailleurs, les études le montrent, elle est la deuxième drogue chez les 15-25 ans. En premier, on trouve le cannabis. En deuxième, le protoxyde d'azote. Et un peu plus loin, en troisième, la cocaïne. Les effets neurologiques sont quelquefois terribles. C'est d'ailleurs à Paris l'hôpital Bichat qui gère les cas les plus graves. Vous l'avez rappelé, c'est un gaz composé d'azote et d'oxygène qui sert à la fois à pressuriser les aérosols, comme les siphons de chantilly, ou utilisé en milieu hospitalier, notamment par le SAMU, comme nous l'a expliqué Jérôme Loriot, notamment pour ses propriétés anesthésiques et antalgiques. Alors, en 2019, alors que la consommation commence à progresser, le Conseil de Paris avait déjà voté une campagne de prévention sur le protoxyde d'azote. Ce sujet est d'ailleurs abordé par des associations, comme vous l'avez cité, l'association ARC-A, mais malheureusement essentiellement tournée vers un public de jeunes très ciblé, souvent en rupture avec le milieu scolaire et familial. C'est le but d'ailleurs de l'association ARC-A. Or, vous le savez, et c'est important, ce phénomène touche aujourd'hui toutes les couches sociales, même les plus aisées. En 2019, vous l'avez aussi rappelé, il y a un projet de loi qui a été présenté par une sénatrice centriste, d'ailleurs, Valérie Létard, qui a été adopté à l'unanimité et qui propose notamment l'interdiction de vente aux mineurs, y compris par voie électronique, avec une amende de 3 750. Le projet de loi est actuellement en attente pour son passage à l'Assemblée nationale, mais vous le savez, le calendrier législatif est très encombré. Je serais donc très heureux, très très heureux de porter votre vœu au Conseil de Paris, et ferai lors de la troisième commission, afin que la préfecture de police soit associée, des propositions très concrètes. Et j'espère d'ailleurs que sur ce sujet de santé publique, et au-delà même de nos clivages politiques, nous nous retrouverons sur ces propositions, et notamment que certains groupes, n'est-ce pas M. Sidbon, ne le rejetteront pas, simplement et sous prétexte qu'il est présenté par des élus de la droite et du centre. Je vous remercie. Merci M. Jeanneté. Donc, M. Sidbon est appelé sans doute à faire une explication de vote. J'ai manifestement été appelé par M. Jeanneté à faire une explication de vote. Voilà, donc voilà. Je vous donne la parole. Je vais vous rassurer tout de suite, M. Jeanneté, ce n'est pas du tout notre genre. Et j'espère que ça ne sera pas le vôtre tout à l'heure lors d'un vœu que nous proposerons. Pas sur l'homophobie dans le sport. Ce n'est pas du tout notre genre. Attendez, pardon, c'est moi qui ai la parole. Ce n'est pas du tout notre genre parce que sur ce sujet, effectivement, la question que vous soulevez, et je vous en remercie, est grave. Peut nous rassembler, qu'effectivement le protoxyde d'azote, selon les associations de prévention spécialisées, la consommation était déjà visible en 2018, mais elle a explosé entre 2019 et 2020. La consommation dans l'espace public est très importante, comme vous l'avez rappelé, et la présence de nombreuses bonbonnes usagées dans la rue en atteste. Pendant un temps, je me demandais ce que c'était, et puis quand on me l'a expliqué, je suis tombé des nues. Si cette consommation était dans un premier temps identifiée, vous l'avez dit, mais je veux le souligner encore, chez des jeunes adolescents, elle semble actuellement concerner des jeunes plus âgés, et la mission locale de Paris a confirmé que les jeunes adultes en font également usage.
Comme pour les autres consommations de produits psychoactifs, la consommation des garçons est particulièrement visible et potentiellement plus importante, mais les filles également en consomment aussi et de manière plus dissimulée. Au niveau des réponses éducatives, toutes les associations de prévention, vous avez salué ARC, équipe d'amitié, dont je veux saluer le travail, on en reparlera peut-être, dans le 15e, sont très attentives à ce sujet et mènent des actions de prévention spécifiques, car la particularité du protoxyde d'azote est qu'il s'agit d'un produit légal, facile à trouver, accessible, car peu coûteux, et donc sa consommation est très banalisée. Les clubs de prévention ont donc déjà fait remonter ce sujet et travaillé déjà localement à des actions de prévention avec les structures de jeunesse. Il faudra très probablement une concertation sur le sujet tripartite entre les services jeunesse, les services santé et les services de sécurité de la ville et de l'arrondissement. Du reste, j'aurais tout à fait été ravi d'être invité à cette réunion, mais le sujet là n'est pas de polémiquer. S'il y a un compte-rendu, je le veux bien. La future police municipale parisienne pourra également organiser des sensibilisations auprès des jeunes, à l'instar des sensibilisations qui sont faites sur l'utilisation des pétards, des mortiers et de la détention d'armes blanches. Pour toutes ces raisons, nous voterons le vœu que vous présentez, car il nous apparaît nécessaire d'avoir sur le sujet un consensus et qu'il n'y a aucune raison de s'y opposer. Merci. Juste une précision pour dire que cette réunion était ouverte au public et qu'elle était annoncée sur la newsletter du 15e. Monsieur Samama, question de vote, oui, allez-y. Oui, je suis ravi et j'imagine que c'est le cas aussi de mes collègues de voir la position de Florian Cidbon sur ce sujet qui effectivement nous rassemble tous. Les habitants du 15e sont extrêmement mobilisés là-dessus et inquiets à la suite de cette consommation qui explose. On l'a dit, la crise sanitaire est passée par là et on voit cette consommation exploser depuis 2018 ou 2019. Il y a un fossé qui est terrible aujourd'hui concernant le protoxyde d'azote entre la perception de cette drogue, dans la mesure où elle est effectivement accessible, légale, elle se consomme sous forme de ballon, donc il y a une image un peu festive là-dessus. Et c'est un effet qui est éphémère, qui dure quelques secondes ou quelques dizaines de secondes. Et donc les jeunes ont l'impression que ça va vite disparaître et qu'il n'y aura aucun effet secondaire. Et les dangers réels, en réalité, de cette drogue à long terme qui sont terribles. Donc nous croyons effectivement aussi qu'il faut une concertation qui soit large avec les services de jeunesse, les services de la sécurité aussi. Il y a d'ailleurs un policier qui a été mordu par quelqu'un qui a consommé, pas dans notre arrondissement heureusement, par quelqu'un qui a consommé du protoxyde d'azote. Donc on voit bien les dangers des personnes sous effet du protoxyde d'azote. Et donc il convient effectivement de mobiliser le plus grand nombre pour prévenir cette drogue-là et pour essayer d'éviter que des jeunes de plus en plus nombreux, malheureusement, y tombent. Je vous remercie. Merci, Madame Beretté. Monsieur le maire, mes chers collègues, quelques rappels. En juillet dernier, le ministère des Solidarités et de la Santé publiait une mise à jour des données de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur des cas de détournement d'usage du protoxyde d'azote signalés au centre d'addictovigilance et au centre antipoison. Les données qui portent sur les années 2017, 2018 et 2019 confirment effectivement la tendance à l'augmentation des cas d'intoxication chez un public jeune et avec plus d'une quarantaine de cas sévères rapportés en 2019. À l'été 2020, les autorités sanitaires ont rappelé les dangers de l'usage du protoxyde d'azote chez les adolescents comme chez les adultes et poursuivent leurs actions pour prévenir les hausses préoccupantes des intoxications. Une campagne d'information et de réduction des risques a été lancée par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives visant à doter les acteurs de terrain, associations, collectivités locales, encadrants et personnes en lien avec les jeunes de supports de sensibilisation. Par ailleurs, en juillet et en août 2020, la campagne « Un été sans souci » qui vise à prévenir les risques pour la santé liés à la période estivale a intégré des recommandations de prévention sur la consommation de protoxyde d'azote et orienté vers le dispositif d'aide et d'écoute. Au-delà de ces actions de communication, l'information sur les risques des usages détournés et plus généralement de la consommation de substances passe en priorité par les acteurs de proximité des jeunes.
Depuis juillet 2019, sous l'impulsion conjointe du ministère chargé de la Santé et de l'Éducation nationale, l'ensemble des collèges et lycées de France mettent en place progressivement des partenariats avec des consultations jeunes consommateurs qui proposent aux jeunes et à leur entourage un service d'accueil, d'écoute, de conseil et d'orientation. Donc oui, nous soutenons ce vœu qui vise à intensifier les actions d'ores et déjà proposées par le ministère et d'autres acteurs. Localement, pour le recensement, nous proposons l'utilisation de l'application Dans ma rue afin de permettre d'organiser la cartographie proposée par nos collègues de la majorité. Merci de ces propositions. S'il n'y a pas d'autres explications... Ah oui, Monsieur Braget, pardon. Allez-y. Oui, bonsoir, chers collègues. Effectivement, le protoxyde d'azote, c'est un gaz qui n'est pas découvert récemment. Il apparaît au 18e siècle en termes de connaissances scientifiques et a de multiples usages. Médical, ça a été cité. Culinaire également, avec la crème chantilly, c'est le type de cartouche que l'on retrouve le plus dans la rue. L'entretien, avec les bombes à air sec pour l'entretien des outils informatiques. Mécanique également, dans l'augmentation des performances de certains moteurs. Et d'ailleurs, on ne peut que regretter cet usage relativement massif et généralisé de ce gaz, étant donné qu'il est 268 fois plus destructeur que le CO2 en termes de gaz à effet de serre. Hélas, cette problématique d'utilisation généralisée conduit à une grande difficulté de restriction d'accès à ce gaz. On constate, comme vous, la recrudescence de cet usage récréatif, qui n'est pas nouveau, il est apparu avec la découverte scientifique de ce gaz au XVIIIe siècle. Toutefois, quand on s'intéresse à votre vœu, il y a un manquement qu'on tenait à souligner. Il y a déjà un travail en cours depuis un certain temps, face à cette recrudescence, de la mission métropolitaine de prévention des risques, des conduites à risque, la MPCR, qui travaille sur le sujet. Donc on ne peut que vous inviter également à vous en rapprocher, parce que ce sujet mérite d'être travaillé, et c'est ce que fait beaucoup Madame Mansouiris. Donc, comme vous le savez, nous ne sommes pas sectaires, nous ne nous bloquerons pas sur ce manquement et nous soutiendrons ce vœu. Merci pour ce soutien unanime, ce vœu que je soumets à votre vote, qui est pour, contre, abstention, unanimité. Merci. Voté. Nous passons au numéro 22. Qui est présenté par Catherine Iblet, David Hamel et Fanta Beretté, relatif au recyclage des masques. Qui le présente, Madame Beretté? Oui. Madame Beretté, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Maire, mes chers collègues. Depuis le 20 juillet, porter un masque est obligatoire dans tous les lieux publics clos, dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. Même si les masques en tissu ont été largement plébiscités par les Français, le masque chirurgical est très largement utilisé. Le gouvernement a renforcé le protocole sanitaire instauré dans les établissements scolaires afin de réduire la circulation du virus. Ainsi, depuis le 8 février dernier, les élèves doivent porter des masques en tissu industriel de catégorie 1 à l'école, élémentaire, au collège ou au lycée. De nombreux élèves sont donc passés au masque chirurgical, modèle enfant ou adulte selon les cas. Dès la première vague de l'épidémie, la question de la fin de vie des masques sanitaires jetables s'est posée. Depuis, l'augmentation massive de leur production, le ministère de la Transition écologique évalue que chaque semaine, 50 millions de masques jetables sont utilisés en France. L'ONG Zero Waste France a d'ailleurs estimé qu'une consommation quotidienne de 2 masques jetables par personne représente environ 400 tonnes de déchets plastiques par jour en France. Des entreprises françaises spécialisées dans le traitement des déchets se sont mises à la recycler. Collectés dans des bornes, les masques peuvent, après un long process, finir par être broyés, transformés pour fabriquer toutes sortes d'objets en plastique par moulage. Mais il manque encore des solutions à plus grande échelle capables de faire face à la montagne de déchets qui croît de jour en jour. La région Île-de-France a installé un groupe de travail d'experts
Elle a d'ailleurs organisé entre le 14 décembre 2020 et le 15 février 2021 un appel à manifestation d'intérêt sur le thème « Recyclage des masques à usage unique », doté de 2 millions d'euros pour identifier et accompagner les dispositifs de collecte et de recyclage dans le cadre du développement de l'économie circulaire. Dans cette attente de solutions à grande échelle, il nous paraît indispensable, à l'instar de la mairie du 9e, d'agir. Nous vous proposons donc d'être précurseur, et d'organiser dès à présent des collectes via des bornes installées à la mairie afin de commencer la sensibilisation des habitants. Quelques entreprises proposent déjà des solutions. Plus nous commençons tôt, plus nous serons préparés au moment où émergeront forcément des collectes plus importantes. Et au-delà de l'initiative de la mairie du 9e, nous proposons également que les bornes soient installées à la sortie des écoles élémentaires du 15e arrondissement, afin que nos enfants, qui vont certainement être amenés à utiliser plus de masques chirurgicaux, comprennent dès à présent que des solutions existent pour les traiter et qu'il faut adopter dès maintenant les bons gestes. Merci pour cette proposition. Il y aura des réponses de deux adjoints, M. Pinet et Mme Holgen. M. Pinet. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues. Alors effectivement, lorsque le gouvernement a généralisé le port du masque en le rendant obligatoire, notamment en milieu scolaire, il était évident que le masque allait devenir un nouveau déchet en quantité importante. Vous avez rappelé les volumes. Effectivement, ils sont conséquents. Très rapidement, malheureusement, plus que le recyclage de ces masques, nous avons pu constater que très nombreux de ces petits outils que nous avons tous sur le visage maintenant se trouvaient dans les rues et plus sur les trottoirs et dans les caniveaux qu'effectivement dans les poubelles. Et je tiens à saluer ici les services de la DPE du 15e qui en ont fait une priorité pour éviter qu'on en ait beaucoup trop dans les rues. Parallèlement, l'idée de recycler ces masques est parue comme une évidence pour beaucoup de municipalités, d'entreprises et de particuliers. Et effectivement, les initiatives ont commencé à voir le jour. Alors je vais citer celle de la société Plaxtil, qui est à Châtellerault, qui a été une des premières effectivement à récupérer des masques via des municipalités et à les recycler en objets plastiques. Et donc vous avez parlé aussi effectivement de l'initiative de la mairie du 9e avec la start-up francilienne Recnorec qui a lancé cette expérimentation. Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est que le 15e n'est pas en reste. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'était pas encore paru puisque ça va se mettre en place, mais dans le 15e c'est la régie de quartier qui est en première ligne. Elle s'est associée, elle est alliée à l'association FabMax et elle a répondu à l'appel d'offres de la région et elle prévoit un déploiement du dispositif très rapidement, probablement début du deuxième trimestre, donc fin mars, début avril. On peut ici saluer cette initiative de la régie de quartier qui compte aujourd'hui 8 personnels en contrat à durée indéterminée. Donc c'est une belle démarche. En revanche, désolé pour la mairie centrale, mais c'est vrai qu'on pourrait regretter qu'elle ne soit pas plus proactive sur la question. J'en veux juste pour preuve, par exemple, dans les ateliers de propreté, c'est-à-dire que tous les masques des services de propreté finissent à la poubelle et il n'y a même pas d'initiative de recyclage. Et ce n'est pas prévu. J'ai demandé au service pour savoir si quelque chose allait se mettre en place, mais pour l'instant, pas du tout. Donc, en ce qui concerne la mairie du 15e, on est donc dans les starting blocks grâce à la régie de quartier. Donc, ça ne peut être qu'un avis favorable de l'exécutif, effectivement, pour votre vœu. Et puis, peut-être, effectivement, le généraliser un petit peu plus sur votre idée de borne, mais à travailler avec la régie de quartier, l'association qui est alliée avec elle, et puis voir la suite de ce que ça va donner, parce qu'on va encore en user pas mal, des masques. Y a-t-il des explications de vote ? Oui, allez-y, monsieur. Oui, merci Monsieur le maire. Bonjour mes chers collègues. Alors tout d'abord, réponse rapide pour vous rassurer sur le travail de la majorité. Donc c'est bien un sujet qu'on travaille sur le recyclage de masques. L'objectif étant de proposer rapidement quelque chose tout en étant certain de l'impact écologique, qui est aujourd'hui le point qui reste encore en discussion. L'objectif n'est pas de collecter des masques qui seraient mal recyclés ou envoyés à l'autre bout du monde, mais bien de faire un recyclage, je dirais, pertinent et efficace d'un point de vue environnemental. C'est à cela que donc travaille la majorité. Je tiens néanmoins à souligner que le vœu va dans le bon sens et donc que nous le soutiendrons sans réserve. Merci. Merci. D'autres explications de vote ? Non, je voudrais juste préciser aussi que juste pour compléter la réponse de M. Pinet, que la mairie s'est préoccupée
depuis le début, quoi, de la production de masques, de son recyclage, puisque nous avons produit ici, lors du premier confinement, 33 000 masques visières et 20 000 masques en tissu réutilisable, et qu'à l'époque, nous étions rentrés en contact avec la start-up Fabric, qui compose des briques écologiques et isolantes à partir de textiles afin de les réutiliser pour la construction de bâtiments. Et les chutes de textiles consécutives à la fabrication de masques ont été proposées à cette start-up. Et vous l'avez dit, aujourd'hui, la régie de quartier essaye de répondre à un appel d'offres régionales sur cette question. Donc, je vais soumettre ce vœu à votre vote, mes chers collègues. Qui est pour ? Contre ? Abstention, unanimité, je vous remercie. Il y a maintenant un vœu numéro 23 qui est présenté par Mme Ibled et les élus du groupe indépendant et progressiste relative à la situation de l'opérateur Smovengo, qui le présente, M. Amiel. Merci, Monsieur le maire. Ce vœu est présenté d'ailleurs dans l'ensemble des arrondissements par notre groupe, afin de réagir à ce que nous apprenons jour après jour, et le plus souvent d'ailleurs par voie de presse, sur la situation de Vélib. Il est inutile ici de revenir sur les désastres des dernières années. Chacun se souvient du passage de JC Deco à Smovengo et de la division par quatre du nombre d'usagers qui avait alors eu lieu, c'était en 2017 et 2018. Le problème, et ce qui compte le plus aujourd'hui, c'est que depuis lors, et malgré différents colmatages, Smovengo n'a jamais réussi à véritablement sortir la tête de l'eau, et les risques sont à l'heure actuelle immenses. On annonce aux usagers qu'ils subiront une hausse de tarifs sans leur donner le montant, et alors que beaucoup avaient justement choisi de faire confiance à Vélib et d'abandonner parfois les autres moyens de transport qu'ils pouvaient utiliser dans leurs déplacements quotidiens ou pour aller à leur travail. On annonce aux contribuables qu'ils devront ajouter 4 à 6 millions d'euros supplémentaires par an, sans que l'on sache si cela sera suffisant ou si cela ne fait que présager des coûts encore plus importants. On prétend qu'il y aurait une amélioration du service rendu, sans que l'on comprenne cette fois comment ce qui avait été impossible jusque-là le serait demain, d'autant plus que la situation économique difficile de l'opérateur le rendra incapable probablement de payer la moindre pénalité en cas de manquement. C'est pourquoi nous demandons à la mairie de Paris de faire toute la lumière sur la situation financière de Vélib et de produire un audit transparent sur ses perspectives économiques et industrielles. Nous le disons sans esprit de polémique, nous avons besoin pour sortir Smovengo de cette ornière et pour offrir une perspective à tous les Parisiens qui utilisent ces services, de mobiliser, je dirais, toute l'intelligence collective. Il est encore temps d'éviter un nouveau scandale, comme on l'a connu avec la fin d'Autolib. C'est pourquoi nous vous demandons de voter ce vœu. Merci d'avoir présenté ce vœu. D'abord, la parole est à la rapporteure, Madame Le Sens. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Nous nous souvenons tous que le marché des vélos en libre-service avait été attribué à un groupement qui avait pour porte-drapeau une petite PME Montpellier-Rennes, dont le nom allait servir d'ossature au nom du groupe. Et nous nous souvenons également peut-être que la PME en question a bientôt disparu complètement du paysage parisien après avoir été omniprésente le temps de la candidature. Ce groupe était le moins disant devant Jean-Claude Decaux, mais hélas, c'était également la moins expérimentée, et cela était très facile à constater. Ce que, d'ailleurs, personne à l'époque n'avait voulu voir. Une simple exploration sur Internet montrait pourtant déjà que Smove avait effectivement des marchés de vélos en libre-service dans le monde entier, ce dont elle se vantait, bien sûr, mais en réalité que ces marchés étaient tous petits ou moyens éventuellement, mais pas de la même envergure que celui pour lequel elle postulait, et que même en France, la fiabilité du dispositif n'était que très rarement au rendez-vous. Moi-même, j'avais rendu compte publiquement de mes essais à Clermont-Ferrand et à Lorient.
Dans le premier cas, cela ne marchait pas quand il faisait chaud. Et l'entraînement par cardan faisait un boucan d'enfer sans être absolument efficace. Dans l'autre, c'est à Lorient, j'avais dû m'y reprendre à 3 ou 4 fois pour réussir à ouvrir la porte où se trouvaient les vélos et à obtenir un abonnement. Et la même chose au retour, etc. C'était extrêmement fragile, voire défaillant. Vous imaginez ce que pouvait donner le saut de taille et de complexité auquel cette entreprise allait être confrontée. Eh bien, évidemment, on a vu. Alors, le texte de votre vœu, Madame Iblède, est très informé. Il est donc tout à fait inutile que j'en rajoute. Cependant, je rappelle que si l'appel d'offres n'avait pas été déclaré infructueux à l'époque, c'est bien parce que ce service relève de la politique et non pas de la politique du vélo. Et que jamais n'a été examinée sa réelle utilité, ni même énoncé ses objectifs en termes de service ou de stratégie. On peut même se demander si, au-delà des mots, ce service fait bien partie de la stratégie du développement du vélo dont se targue la ville, ou s'il s'agit seulement d'un argument publicitaire pour la ville, comme d'ailleurs l'avait conçu Jean-Claude Decaux. Je rappelle également que la ville avait failli tout arrêter en 2018 et que seule l'arrivée d'un président dont la spécialité était d'être redresseur d'affaires avait permis de temporiser. Il se dit d'ailleurs que ce président, M. Arnaud Marion, qui est parti au bout d'un an et demi, son départ, donc assez rapide, était dû non pas au fait qu'il considérait avoir accompli sa mission, mais bien au contraire, qu'il ne voulait surtout pas que lui soit attribué un désastre qu'il savait inévitable. Notez également que sa successeur, une dénommée Madame Matlinger, qui est arrivée en septembre 2019, ne sera restée que moins d'un an et sera passée à peu près complètement inaperçue. Et que jusqu'au recrutement de M. Stéphane Volant, l'actuel président, qui a pris ses fonctions en juillet 2020 et semble maintenant découvrir la situation financière. Je m'étonne de lire dans les journaux que le gros du problème viendrait des vélos électriques, alors qu'ils étaient présentés jusqu'alors comme bien plus rentables que les vélos tout court, ce qui, je ne vous le cache pas, n'était pas fait pour me réjouir, mais c'est hors sujet. Un débat public sur toutes ces questions ne pourra qu'être de toute façon instructif, mais vous risquez quand même d'en apprendre moins qu'à lire les journaux. Vous avez ici Le Canard enchaîné, Le Parisien, non, c'est Le Monde, et ça c'est Le Parisien, et ce ne sont que quelques exemples des journaux qui seront certainement mieux informés que ce que voudront bien vous dire l'entreprise elle-même. Vous risquez de vouloir arranger tant bien que mal des affaires qui ne marcheront probablement jamais vraiment bien, au lieu de vous poser les vraies questions, me semble-t-il en tout cas, les questions de savoir à quoi ça sert, à qui ça sert, ne doit-on pas arrêter les vélos électriques ? Ou bien peut-être en limiter l'usage, par exemple, ne doit-on pas restructurer l'offre, la transformer, la remplacer, que sais-je encore ? Et d'ailleurs, il y a des bons exemples en Île-de-France de fournitures de vélos aux citoyens qui fonctionnent sur d'autres modalités et qui, à moi en tout cas, me paraissent beaucoup plus intéressantes. Se poser les bonnes questions en tout cas, plutôt que de foncer tête baissée. Ça, c'est assez élémentaire. Par contre, je me perds là dans mes papiers. Ah oui, d'autant plus que l'avenant est déjà signé, donc vous arrivez un peu en retard, mais ce n'est pas de votre faute, là, pour le coup, bien sûr. Essayez de parler dans le micro, madame. Pardon. Oui, c'est mieux comme ça, en effet. C'est mieux, oui. En effet. Je m'excuse, monsieur le maire. D'autant que l'avenant a déjà été signé cette semaine, jeudi, sans qu'aucun élu n'ait été tenu au courant, ni ceux qui participaient aux concertations mensuelles qui avaient lieu et suivies lors du précédent mandat,
ni même les conseillers de Paris ou les maires d'arrondissement. Alors, de toute façon, ça ne peut pas nuire que de discuter et de s'informer, de recueillir le maximum d'informations, malgré tout. Je vous suggère seulement d'élargir vos investigations à plus... Enfin, pas seulement le fonctionnement, mais aussi la vraie raison de tout ça. Mais ceci étant, bien entendu, enfin, j'invite quand même l'ensemble de notre conseil, j'ai bien dit l'ensemble, à approuver ce vœu, car ne pas l'approuver me paraît être le signe que l'on trouve que tout va bien. Ça paraît difficile. L'approuver pourra être un signe de vigilance accrue. Voilà, merci. Merci de votre intervention. Des explications. Vote. Oui, Madame Niakate. Vous avez la parole. Je vous remercie. Nous ne voterons pas, quant à nous, ce vœu qui demande quelque chose difficilement envisageable. Pour mémoire, Smooth & Go est une entreprise privée et la ville de Paris n'a pas de droit de regard particulier sur ses finances et elle a encore moins le droit d'en débattre ou d'en faire état en séance publique du Conseil de Paris. Nous pourrions à la rigueur envisager d'examiner les comptes du syndicat Autolib Vélib Métropole, mais difficilement ceux de Smooth & Go. Concernant votre seconde demande, vous n'êtes pas sans savoir, je l'espère, qu'un avenant, après de longues négociations, vient d'être entériné par le conseil d'administration du SAVM. Cet accord permet au service Vélib d'être préservé. Il est important de ne pas avoir d'interruption de service, parce que c'est un outil qui est très utilisé par les Parisiennes et Parisiens, et même par les métropolitains. Il permet également de relever la qualité du service via le développement de l'offre électrique et un maillage métropolitain renforcé. Et d'ailleurs, la MGP a également validé cet accord et il me semble qu'un travail soit actuellement en cours pour encadrer la tarification de ce service. Voilà, pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas ce vœu. Oui, on omet simplement de préciser qu'il y aura une augmentation importante de la tarification pour l'utilisation des vélos électriques notamment et même pour les collectivités locales. Mais enfin, voilà, chacun apprécie comme il le souhaite. Donc, s'il n'y a pas d'autres explications... Si, Monsieur Sidbon. Bon, je ne vais pas refaire tout l'historique de Vélib. J'en suis absolument désolé, mais je crois que nous n'avons pas le temps. Je suis désolé, Madame Le Sens, nous poursuivrons ultérieurement et en dehors de ces murs peut-être nos discussions. Mais j'en suis sûr. Je ne vais pas refaire tout l'historique, mais par contre, je vais quand même vous dire quelques mots et dire quand même que... Toute cette polémique qu'il y a eu, elle révèle une chose. Elle révèle une chose, c'est que Vélib est devenu un service public, que Vélib a été reconnu comme quelque chose qui était nécessaire aux Parisiennes, aux Parisiens et au-delà, aux métropolitains. Et en cela, c'est quand même... ce n'était pas le cas quand ça a été créé. Et donc, je veux le souligner. Sur les détails. Donc, en dépit des contraintes sanitaires qui ont été imposées aux entreprises et aux salariés depuis le printemps 2020, Smooth & Go a pu assurer la continuité du service public Vélib Métropole, qui a enregistré jusqu'à 420 000 abonnés et des journées à plus de 215 000 courses. Cette évolution positive s'est accompagnée d'un usage très marqué des vélos à assistance électrique par rapport à celui des vélos mécaniques, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. La surutilisation du Vélib électrique impose à l'opérateur des frais de maintenance conséquents et en effet, depuis novembre 2019 et sans discontinuité, depuis, les vélos à assistance électrique ont supplanté les vélos mécaniques en part relative des courses alors qu'ils représentent 35% de la flotte. Il fallait négocier avec Smooth & Go un nouvel avenant car sinon cela impliquait une baisse drastique de la qualité de service. Et comme c'est devenu, comme je l'ai dit au début de mon intervention, un service public nécessaire, eh bien, ce n'était pas envisageable. Dans ce contexte, et au vu de l'attachement des métropolitains à ce service public de vélo, le SAVM, représentant l'ensemble des communes adhérentes, dont la ville de Paris, a œuvré pour trouver un accord avec l'opérateur. Les contreparties exigées à l'opérateur sont, d'une part, de relever la qualité du service proposé, particulièrement en termes de disponibilité des vélos, de nouveaux engagements en matière de RSE, en particulier une augmentation des heures d'insertion prévues par le marché, un développement de l'offre électrique pour arriver à 40% de la flotte des Vélib, un maillage métropolitain renforcé et une étude réalisée sur 100 stations.
La qualité du service délivré aux usagers est une exigence du SAVM et de la Ville de Paris, bien sûr, sans cesse évaluée au travers de critères de performance fixés par le marché et également suivis par un comité des usagers mis en place en 2018, dont la prochaine réunion se tiendra début mars 2021 et auquel nous serons tous très attentifs, j'en suis persuadé. Sur l'augmentation des tarifs que vous évoquez, monsieur le maire, cette question est actuellement en cours de discussion. Elle sera votée lors d'un comité syndical à la mi-mars. Il est évident que la ville travaillera à moduler les tarifs, notamment sur l'électrique, afin de coller au principe premier de la définition de ce service, à savoir, et peut-être ça vous satisfera, madame Le Sens, des VAE seulement pour des trajets longs et plutôt métropolitains, et le vélo classique mécanique pour des trajets courts. L'abonnement de base pour les vélos mécaniques n'évoluera pas. Pour les mêmes raisons que celles évoquées notamment par madame Niakate, et le fait que le premier attendu demande quelque chose d'illégal. Smooth & Go est une société privée, la ville de Paris n'a pas de droit de regard particulier sur ses finances et on a encore moins le droit d'en débattre ou d'en faire état en Conseil de Paris. Nous ne pourrons pas voter ce vœu. Et par ailleurs, Vélib n'est plus 100% parisien, mais bien métropolitain. L'avenant et les négociations ont été validées par la métropole du Grand Paris. Y a-t-il d'autres explications de vote ? Je ne crois pas que la situation soit aussi idyllique que vous l'indiquez. Les abonnés se sont retrouvés pendant un long moment face à des stations fermées, vides, à des vélos inutilisables, à des bugs en série. Le nombre d'utilisateurs a été divisé par deux. Et en avril 2018, le service est devenu quasiment inexistant en raison notamment de la grève d'une partie du personnel. Enfin bref, voilà, il faut aussi évoquer ces sujets qui s'ajoutent aux problématiques qui ont été évoquées par Madame Le Sens. Mais là aussi, évidemment, chacun fait son analyse. Et donc, après que chacun puisse s'exprimer, je soumets au vote votre vœu avec un avis favorable de l'exécutif qui est pour, contre, la gauche et le groupe écologiste, abstention, personne, merci. Il nous reste un vœu à examiner qui était adopté en procédure d'urgence. Encore une fois, à 23h40, merci de veiller et d'avoir le souci du personnel et d'envoyer vos vœux plus tôt. C'est une recommandation que je fais au groupe, à tous les groupes. C'est un vœu au maire du 15e déposé par les élus du groupe Paris en commun, élus de gauche du 15e, relatif à la création d'un festival culturel et une manifestation sportive pour créer des ponts entre jeunes des 14e et 15e arrondissements. Qui le présente ? Monsieur Sidbon. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, face au phénomène de RICS, on est face à une irréelle réalité. Lorsqu'on voit la violence de ces RICS entre jeunes, comme récemment à Beaugrenelle. On est littéralement désarmé. On se demande comment on peut manquer de donner la mort et si ces jeunes en sont conscients. La violence de notre monde, elle s'exprime dans le 15e, comme ailleurs dans Paris et autant que dans les autres quartiers, malheureusement. La violence, elle naît et se prolonge de manière irréelle sur ce que l'on peut appeler la rue numérique, qui va nécessiter un travail de prévention spécifique que nous appelons de nos voeux. Mais la violence virtuelle devient malheureusement bien dramatique et des jeunes détruisent leur vie. Alors face à ces phénomènes, il y a bien sûr à faire un diagnostic de sécurité, des mesures de sécurisation à prendre, mais tous les dispositifs de sécurité, toutes les caméras, tous les maîtres chiens que l'on mettra en place ne permettront pas de rendre conscients et moins violents ces jeunes. Car la seule répression ne suffira pas face à l'irrationnel de ce type d'action. Il y a eu des épisodes de violence entre bandes de nos quartiers, entre nos quartiers. Il y a eu des épisodes de violence entre bandes du 15e et du 16e. Il y a eu des épisodes de violence particulièrement récurrents entre jeunes du 14e et du 15e arrondissement, dont un récent qui a heureusement été évité au moment des vacances de Noël. Avec cette jeunesse violente, et dans un contexte que la crise sanitaire a accentué, il nous faut absolument, absolument retisser des liens. Les initiatives de type bootcamp organisées par le service de la jeunesse et des sports de la ville de Paris en partenariat avec la mairie du 15e ont été un succès.
La culture et le sport sont des vecteurs de bien-être et de lien social. Alors, par ce vœu, nous avons voulu faire une proposition. Nous nous sommes inspirés d'un vœu proposé par notre collègue Karen Taïeb concernant le 17e et le 18e arrondissement, voté ensuite au Conseil de Paris, mais nous avons voulu en élargir son objet. Nous proposons la création d'un grand festival culturel interquartier et interétablissement, ainsi que d'une manifestation sportive pour créer des ponts entre les jeunes des 14e et 15e arrondissements et entre les jeunes des quartiers différents du 15e. Une concertation sur l'organisation de ce festival et de cette manifestation sportive pourrait être réalisée avec les établissements scolaires des deux arrondissements. Et nous proposons, qu'au-delà de la municipalité, soit mobilisé pour proposer une politique de proximité à destination des jeunes, le rectorat de l'Académie de Paris, les associations de prévention du type équipe d'amitié à Arc 75, les équipes des établissements scolaires, les mairies d'arrondissement, des associations culturelles, sportives et de jeunesse. Alors j'espère donc, Monsieur le maire, mes chers collègues, j'espère que nous serons rassemblés autour de ce vœu et que vous accepterez, loin d'une opposition politique de principe, que d'une part, de travailler conjointement avec les élus du Conseil municipal du 14e à l'élaboration de projets communs afin de mobiliser autour d'activités interétablissement les collégiens, lycéens et jeunes du 14e et du 15e, et qu'un groupe de travail interarrondissement rassemblant élus, acteurs associatifs, acteurs éducatifs soit mis en place afin de formuler des propositions d'action et d'avancer dans ce sens. Oui, j'aurais souhaité que cette proposition soit formulée par la mairie du 14e, mais comme nous n'avons absolument aucun contact, c'est un problème. Monsieur Jacquot. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, il n'y aurait a priori pas d'opposition de principe envers un projet qui consisterait à mettre en place des actions communes entre les jeunes de nos deux arrondissements. Ceci étant dit, si l'intention est louable, je suis plus dubitatif sur la forme. Tout d'abord un constat, la nécessité de créer par la culture ou le sport des liens entre jeunes gens des arrondissements ne semble pas devoir s'arrêter au 14e et au 15e. Pourquoi pas avec le 16e également, où des problèmes de violence, vous l'avez dit, se sont aussi fait jour. D'autre part, des accords de partenariat de ce type existent déjà entre le 15e et les communes de Vanves et d'Issy-les-Moulineaux. De plus, si l'on entrevoit peut-être la possibilité d'organiser assez aisément des rencontres sportives entre jeunes gens des 14e et 15e arrondissements, mais je laisserai ma collègue en charge des sports exposer ses remarques à ce propos. Par contre, pour ce qui concerne le volet culturel de ce projet, la proposition qui nous est faite n'apparaît pas très claire. S'agit-il de faire participer des ateliers associatifs ou des groupes de jeunes gens à des représentations théâtrales ou musicales préparées au préalable dans leurs associations habituelles ? Ou bien s'agit-il de réunir ces jeunes gens face à des représentations proposées par des compagnies installées dans les 10 arrondissements ou voire à des structures de production extérieure? Tout ça n'est pas très précisé. Il y aurait donc apparemment deux formes d'action totalement différentes dans les modes d'organisation et de financement, et surtout d'objectifs éducatifs et culturels. Au moins sur ces points évoqués ici, cela mériterait davantage de précision. Ensuite, il semble que ce projet nécessiterait dans sa préparation la coordination, je cite, du rectorat, des directions des établissements scolaires, des deux mairies, de l'ensemble des associations culturelles, sportives et celles de la jeunesse des deux arrondissements. Il est à craindre que cette pléthore de participants ne dilue par trop dans le temps la mise en œuvre et les moyens d'une action réelle envers la jeunesse de nos arrondissements. De nombreuses actions culturelles en faveur et à destination des jeunes gens de notre arrondissement existent déjà. Elles sont l'œuvre d'un tissu associatif nourri que la mairie du 15e soutient au quotidien. Peut-être gagnerait-elle à être davantage aidée et davantage relayée dans leur promotion de leurs actions par la mairie de Paris. De son initiative, la mairie du 15e travaille en coordination avec les écoles élémentaires au travers du prix des jeunes lecteurs en livret moi, qui connaîtra sa prochaine édition en fin d'année 2021 et dont la préparation est actuellement en cours. D'autre part, nous créons cette année le prix Léon-Paul Fard, prix d'interprétation poétique pour les jeunes comédiens. Ce prix est ouvert à l'ensemble des structures œuvrant dans le champ de l'art dramatique dans tout Paris. Nous prévoyons également, si les conditions sanitaires le permettent, la refonte du festival des 1500 coups centré cette année sur les arts de la rue. Ce ne sont là que quelques exemples.
Je ne doute pas que nos collègues du 14e mènent déjà des actions sportives et culturelles à destination de la jeunesse. Peut-être pourrions-nous, pour commencer à répondre à ce vœu aujourd'hui, premièrement, échanger davantage d'informations sur nos actions, et secondement, souhaiter ensemble que la mairie de Paris relaie enfin pleinement nos actions. Ceci pourrait initier ce rapprochement entre nos jeunes gens. Pour ma part, j'invite l'ensemble des élus de notre Assemblée à se rapprocher de moi s'ils le souhaitent pour avoir une plus grande vision sur les projets culturels du 15e, et je me tiens évidemment à la disposition des élus du 14e également. Enfin, je termine ici en formant à mon tour un vœu, celui qu'entre artistes en art dramatique, producteurs de spectacles vivants et pédagogues, nous puissions à l'avenir échanger de prime abord avec mon collègue et confrère Florian Sidbon. Peut-être pourrions-nous ainsi travailler ensemble à l'émergence d'une culture universelle et non partisane. Quittons donc ensemble les chemins faciles du plus disant pour tenter ensemble aussi un chemin certes plus exigeant vers le mieux disant. Ceci, à mon sens, ne pouvant être qu'un bien pour nos jeunes, nos artistes et nos habitants. En l'état donc, je vous invite à ne pas voter ce vœu. Merci. Madame Kermabon, pour répondre sur le plan. Oui, très rapidement, sur le sport. Effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur Sidbon, il y a des bootcamps qui ont déjà été organisés, notamment avec ICI. La crise a fait qu'on a dû les arrêter. Là, c'est reporté. Naturellement, nous sommes tout à fait pour l'organisation de manifestations sportives avec le 14, notamment des bootcamps. Je ne suis pas sûre qu'un vœu soit nécessaire pour cela, mais je suis totalement pour. Et il y a des explications de vote pour la manifestation sportive, pas pour le vœu. Monsieur Amiel. S'il vous plaît, monsieur Sidbon. Merci, monsieur le maire. Non, pour tout vous dire, monsieur Sidbon, nous sommes très embêtés par ce vœu, parce qu'en arrivant, nous avions la ferme intention de le voter. L'intention est louable et la piste mérite sans aucun doute d'être explorée. On a fait référence au 14e arrondissement. Sans doute peut-on tisser des liens similaires avec d'autres. Mais j'ai été extrêmement gêné par la manière dont vous le présentez et le lien que vous faites avec les RICS, que je trouve, pour le coup, pour reprendre vos mots, d'une irréelle irréalité. Nous avons eu des échanges entre nous, avec le commissariat de police, sur ce phénomène de RICS dans le 15e arrondissement. On sait que c'est lié... Déjà que ça dépasse de loin le 14e arrondissement. Il y a le problème des bandes du 16e, il y a le problème de bandes du 92, de diverses villes, d'ailleurs du 92. On sait qu'il y a un lien avec le trafic de stupéfiants et des trafics autres. On sait que cela concerne des jeunes qui vont du collège à des vingtenaires. On sait, en somme, que nous avons affaire à un problème de sécurité extrêmement lourd. Vous retombez dans une opposition que je trouve un peu facile et, pour tout dire, franchement daté entre prévention et répression. Il est... S'il vous plaît, monsieur Amiel, continuez, monsieur Sidbon, laissez-moi conclure. Toujours est-il que d'expliquer que face au problème des RICS, il faut faire un festival culturel et sportif, nous paraît franchement déplacé dans le contexte que nous connaissons sur ces sujets. Et c'est pourquoi, face à ce vœu, nous nous abstiendrons. Monsieur Latine, explication de vote. Très bien, merci. Monsieur le maire, chers collègues, je pense véritablement, au regard de ce qui a été dit, que ce vœu, s'il reste bien joli, bien complexe à comprendre finalement du fait de la multiplicité de points, mais bon, ça c'est une autre histoire, il reste en l'état, pas en phase avec la réalité. Ceci au regard des actions à venir, des arguments qui ont été évoqués par mes collègues, et plus particulièrement au regard de la fête de la jeunesse. C'est une fête, justement, que vous semblez avoir omise, bien qu'annulée à cause du Covid en 2020, mais nous comptons bien pouvoir remettre le couvert, si je puis dire, en 2021, et bien la faire. Car en réalité, s'il s'agit ni plus ni moins que d'une fête de jeunesse bis avec un nom modifié, pour servir l'expression d'un vœu en ce conseil, en choisissant bien certainement le secteur de votre choix, à savoir le 14e arrondissement, pour des raisons, je pense, politiques, du moins c'est ainsi que je le vois. À cela, ce vœu omet également de cibler tous les problèmes auxquels il semble vouloir répondre. Si les RICS entre les jeunes du 15e et du 14e sont présentes, en effet, il n'en demeure pas moins que, comme vous l'avez d'ailleurs dit, les récents événements démontrent également qu'elles le sont tout autant avec le 16e et sans être trop parisianiste, avec Vanves ou ici les Moulineaux, dont les récents bootcamps ont encore une fois été abordés. À l'occasion d'une rendez-vous, d'une entrevue justement avec l'équipe Amitié Arcueur, nous avons pu d'ailleurs leur rappeler notre plein soutien dans l'organisation du
de bootcamp en nombre le plus important possible, car c'est une solution évidemment nécessaire pour pouvoir répondre à ces phénomènes de RICS. Ainsi, il n'est là à proposer que des événements qui existent déjà ou sont déjà en préparation, qu'il s'agisse de notre fait ou des associations du 15e, actuelles ou naissantes. Pour ces raisons, finalement, je vous propose d'amender votre vœu de différentes façons. Premièrement, d'intégrer les principaux territoires frontaliers de l'arrondissement concernés par les phénomènes de RICS. Inutile de se limiter uniquement au 14e arrondissement, impliquer directement aussi bien le 16e que Vanves et ici les Moulineaux. Secondement, faire référence tout simplement à la fête de la jeunesse, prévue le 26 juin prochain, si tout se passe bien, plutôt qu'à un festival dont on ne connaît pas les lignes et qui semblerait ressembler plus à une invention sortie d'on ne sait où, sans réelle logique. Cette fête de la jeunesse, justement, elle est dans une logique de mêler tous les jeunes de l'arrondissement sur une journée autour de toutes les activités et secteurs qui seraient susceptibles de les intéresser, ah donc le sport, la culture, etc. Troisième point, là, pour le coup, je vous propose d'intégrer et de demander à ce que vous soyez intégré en tant qu'opposition aux différentes tables rondes de consultation quant à l'organisation de cette fête, dont les premières invitations ont été envoyées par Hector Vespromis et moi-même il y a quelques temps. Nous souhaitons d'ailleurs y intégrer collège, lycée, ensemble des élus, qu'il s'agisse de la culture, du sport ou de ceux qui souhaitent y participer. Et ainsi, cela donnerait peut-être un objet et un sens réel à ce vœu que vous proposez. Dernier point, ce serait tout simplement de poursuivre votre logique du 14e, de pouvoir permettre, en effet, à d'autres arrondissements, peut-être, de co-organiser cette fête de la jeunesse du 15e arrondissement dans sa réflexion, sa mise en place et surtout son financement. Car autant ne pas cracher sur un financement supplémentaire pour aider nos jeunes, ça c'est clair. Ainsi, sous couvert de ces changements, c'est avec un grand oui que je pourrais appeler à mes chers collègues, à voter ce vœu, et que nous pourrions donc veiller à sa bonne application. A l'inverse, comme mentionné, il n'y a pas plus d'utilité qu'un mail à ce que vous présentez, qui aurait pu nous être adressé, à vrai dire, et je vous propose de le retirer avec l'assurance que nous sommes et nous serons toujours à votre écoute, la porte ouverte, pour développer cette fête de la jeunesse qui mérite, il est vrai, d'être repensée. Ceci étant, je comprends très bien que dans votre rôle d'opposition au sein de ce Conseil, ce vœu aurait une valeur très symbolique afin de mettre en lumière les sujets qui vous sont chers. Je n'en doute en aucun cas. Enfin, s'il se trouve maintenu en l'état, sa formulation ne proposant que de faire des éléments qui existent déjà avec des noms différents, il revient à ne pas avoir d'utilité. Ainsi, comme l'a dit mon cher collègue M. Frédéric Jacquot, il devient logique de voter contre. Ceci dit, malgré ce vote contre, soyez assurés que nous veillerons bien sûr à respecter les engagements tenus lors de ces interventions. Merci. Est-ce que M. Sidbon accepte de retirer son vœu au profit de la fête de la jeunesse revisitée, si je peux dire. Ah, oui, Monsieur Bragé répond. Oui, une explication de vente également. Nous entendons beaucoup ce qui s'est dit ce soir, notamment sur un certain nombre d'imprécisions de ce vœu. Là où beaucoup y voient un défaut, moi j'y vois quelque chose de différent, c'est-à-dire une opportunité, une volonté de mettre le sujet sur la table. En laissant des portes ouvertes pour que nous puissions échanger entre nous, et c'est une bonne chose. Beaucoup de propositions ont été faites, et je rejoins très clairement la proposition qui a été faite d'intégrer les communes limitrophes, et j'aimerais que ce soit formulé clairement, et donc je vais le faire à M. Sidbon, d'intégrer sous forme d'amendement l'ajout des communes de Vanves et d'Issy-les-Moulineaux. Donc, pour notre part, si ces amendements sont intégrés, nous soutiendrons ce vœu. Bien, voilà au moins un sujet où vous êtes d'accord avec le groupe Paris en commun. Monsieur Sidbon va répondre sur ces propositions. Écoutez, je suis un peu étonné de... Tout est dedans, et il est très précis, je suis désolé. Il propose qu'un groupe de travail soit mis en place, et donc il laisse les portes ouvertes ensuite à se mettre autour de la table, effectivement avec les acteurs concernés. Juste pour répondre d'un mot quand même à M. Amiel, ce n'est pas choquant. Je n'ai absolument pas opposé dans mon propos, et vous pourrez relire le procès-verbal, la sécurité et la prévention. Je pense que les deux sont nécessaires, et c'est ce que j'ai dit. Mais cette prévention, elle est très nécessaire. Ces actions, elles sont très nécessaires. Augmenter, élargir aux communes limitrophes, évidemment que nous y sommes favorables. Il se trouve juste qu'un vœu similaire a été déposé par le groupe Paris en commun, dont on a été d'ailleurs les initiateurs, mais au conseil du 14e, je ne sais pas s'il a eu lieu encore ou s'il va avoir lieu, mais
Un vœu similaire a été déposé au Conseil du 14e, comme ça avait été le cas dans le 17e et dans le 18e. Si on veut élargir, et si vous pouvez vous rapprocher de vos collègues du 16e pour qu'un vœu similaire soit voté dans le 16e, pourquoi pas. Si on peut y réfléchir de manière globale sur Paris, pourquoi pas. Et en tout cas, après, la question de la fête de la jeunesse, donc ça, je suis d'accord pour le premier amendement, on est d'accord, évidemment. Vent, Vici les Mouineaux, et on verra qui veut travailler avec nous sur tout ça. Il y avait une volonté du côté du 14e, s'il y en a une du côté du 16e, du côté de Vanves et du côté de M. Santini, eh ben, on les acceptera avec grand bonheur. Par ailleurs, l'idée est de travailler effectivement en direction de jeunes qui effectivement sont devenus violents. On peut s'appuyer sur un certain nombre de dispositifs pour ça. Il y a beaucoup, et sans les laisser, sans se cantonner à ces jeunes-là, mais en travaillant de manière spécifique vers ces jeunes-là. Un certain nombre de dispositifs existent et on veut s'appuyer dessus. Il y a notamment un dispositif du Théâtre de la Ville, je crois, qui va permettre d'aller vers ces jeunes-là, dans certains quartiers de Paris, dont le 15e, j'ai entendu dire. On pourrait réfléchir ensemble à des choses. Nous nous proposons de nous mettre autour de la table, de créer quelque chose d'interquartier, d'interarrondissement et d'interquartier, et d'imaginer ensemble les solutions, pas en deux minutes dans un conseil, et loin précisément des postures politiques. Il n'y en a pas de posture politique. La fête de la jeunesse, c'est sûrement quelque chose de très bien. Est-ce que ça doit englober et reprendre dans une formule nouvelle de la fête de la jeunesse? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Ça, je crois que ça doit se décider autour de la table. Voilà, je ne comprends pas que vous n'acceptiez pas qu'on mette en place un groupe de travail pour réfléchir sereinement à tout ça. Voilà. Donc le premier amendement, nous l'acceptons. Le deuxième, non, parce qu'il restreint trop la réflexion. Bien, je crois que la proposition de Monsieur Latine était beaucoup plus ambitieuse et de surcroît, franchement, même si votre vœu n'est pas inapproprié, la motivation qui part des affrontements d'une violence extrême, comme vous l'avez rappelé, entre bandes de jeunes pour aboutir à un festival de la jeunesse, montre que vous êtes totalement dans le déni de l'insécurité dans cette ville et dans cet arrondissement. Il est bien évident que ce n'est pas avec un festival de la jeunesse, entre le 14e et le 15e, que vous ne financez pas, d'ailleurs, au passage, parce que ce sont des financements qui seront retranchés peut-être à d'autres actions, qui réglera ce sujet. Donc ça mérite vraiment d'être retravaillé, et je pense que Louis Latine a fait la bonne proposition, sur laquelle l'exécutif municipal se base pour proposer un rejet de votre vœu que je mets aux voix. Qui est pour le vœu parlant commun? Merci, le groupe écologique. Qui est contre? Majorité. Qui s'abstient? Merci, il est rejeté. Pour terminer, quelques informations diverses. D'abord, je voulais vous annoncer, puisque ça fait l'objet de pas mal de débats dans ce conseil, de façon répétitive, voire obsessionnel, que vendredi s'est réunie la commission interne des marchés de la mairie du 15e pour analyser les offres du marché à procédure adaptée, impression et distribution du journal d'information du 15e arrondissement, et a été retenue, merci, la seule offre qui est celle remise par la société Citéa. La prochaine publication aura lieu donc en mars, 8 numéros par an à 100 000 exemplaires. En info diverse, lundi 1er mars à 19h, la réunion de lancement de la démarche des quartiers apaisés avec l'adjoint compétent, M. Baudrier, en visioconférence. Je rappelle le point Covid tous les jeudis soirs, donc jeudi à 19h avec les élus du 15e. Le lundi 8 mars, évidemment, la journée du droit des femmes avec une exposition de street art Paris 8 Lab, école de design. Du vendredi 5 mars au samedi 13 mars, avec une vidéo de présentation d'Alice Guy suivant la pièce de la compagnie Étincelle, compagnie professionnelle de théâtre du 15e. Et cette journée nous retiendra donc Madame Manessa Lawassa étant l'adjointe, étant chargée de cette journée. Le 29 mars, prochain conseil d'arrondissement. Horaire suivant le couvre-feu. Les dates des conseils de quartier ont été fixées. Les prochains conseils de quartier. Mes chers collègues, je vous demande un peu d'attention et de vous asseoir.
le Conseil n'étant pas tout à fait terminé. Citroën Boussicaud, mardi 2 mars à 19h. Georges Brassens, 3 mars. Vaugirard Parc des Expositions, 5 mars. Cambronne Garibaldi, 8 mars. Violet Commerce, 12 mars. Saint-Lambert, 17 mars. Pasteur Montparnasse, 18 mars. Duplex Mode Piquet, 19 mars. Et Mario Zoller, mercredi 24 mars. Et Alray Procession, mercredi 31 mars. Je vous remercie de votre attention. La séance est levée.